Live your life within the moment, moment And don't go wait until the morning, morning You never know when it is over, over All that I know is we'll get older, older So that us stands this away. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir les amis, mais qu'est-ce que je suis content de vous retrouver pour le retour de cette émission, le podcatch. Vous êtes très nombreux à la connaître cette émission. C'était il y a 8 ans, toute première édition du Podcatch, un tout petit podcast réalisé. Entre potes, à la bonne franquette, on va pas se mentir, il n'y avait pas des gros montages à l'époque, il n'y avait pas grand chose, mais en tout cas, on passait de bons moments, on avait des débats ensemble, on parlait catch, on parlait actualité, et c'était génial. Je vais vous dire la vérité, cette émission, ça fait un moment qu'elle me manque. Ça fait un moment qu'elle me manque, mais voilà, avoir une émission toutes les semaines, euh, avec des chroniqueurs, etc., ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de temps, et c'est vrai qu'on a fait une petite pause. Mais, en cette fin d'année 2022, les amis, nous sommes de retour avec le podcatch et vous allez le voir je ne suis pas seul pour cette émission je vais vous présenter tous ceux qui vont euh, intervenir dans cette aventure qui vont m'accompagner dans cette nouvelle aventure on va commencer avec quelqu'un que vous connaissez tous très bien puisque il a fait les belles heures du podcatch je vous présente louis les amis bonsoir louis bonsoir aujourd'hui c'est le retour d'une grande émission du podcatch Très content de pouvoir partager et discuter à nouveau de ce sport. Euh, avec les collègues, on va pouvoir parler de nombreux sujets bien intéressants. Et Axel, je te remercie et je suis vraiment très heureux que tu relances cette émission parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le podcast et je suis content à nouveau de parler catch. Bon, bon vraiment content. Ça m'a manqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé de catch aussi, donc j'ai un peu de la pression, mais je suis vraiment content. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Quelqu'un d'autre, les amis, que vous connaissez tous très bien, il a fait quelques émissions sur Double fan de France. On en a parlé avec lui. Il a d'ailleurs fait quelques podcasts également. C'est notre ami Hugo. Salut Hugo. Salut Axel, salut tout le monde. Bon, j'espère que déjà vous êtes tous prêts pour cette, euh, cette émission qui s'annonce être, euh, je pense, euh, vraiment, vraiment bonne, vraiment grandiose et vraiment content de pouvoir participer à. à à cette nouvelle saison du podcast. Donc j'ai vraiment hâte que ça commence et je suis content de retrouver tous les copains. <laughs> et désormais les amis, il est temps de vous présenter ceux qui vont rejoindre cette aventure. D'ailleurs, il y a quelqu'un que vous connaissez peut-être, hein, si vous avez regardé une certaine édition du podcast, il avait participé à un petit quiz euh, du côté euh, de double de Fan France sur YouTube. Je pense que là tout de suite il s'est reconnu déjà. Hein. C'est notre ami Jacques. Salut Jacques Salut Axel, salut à tous. Très content de retrouver le podcast ce soir. Ça va être une belle émission, une très belle équipe. Franchement, là, on a une équipe de beaux gosses et on va parler catch. Donc euh, content, content, très content. Quelqu'un d'autre que vous allez découvrir dans cette nouvelle saison du podcast Les Amis, euh, c'est Victor, grand fan de Bray hein. D'ailleurs, on va lui mettre la musique du film pour l'introduire, je pense que ça va être pas mal. Victor. Salut Victor. Eh bah, bien bonsoir Axel, bonsoir à tous. Euh, C'est un plaisir de, de faire partie du podcast. Je le regardais il y a quelques années et maintenant je, je passe de l'autre côté. Donc euh, très content de rejoindre ce projet et, et à, de par à participer aux nombreuses émissions. Et bien bah merci à toi Victor. Et le dernier participant les amis de ce podcast, euh, il s'agit tout simplement de Flavien que vous allez découvrir. Salut Flavien. Flavien, pardon. Salut les gars, salut tout le monde, super heureux d'être ici aujourd'hui. Merci Axel pour l'invitation. Euh, là, on a une super équipe et je pense qu'on va passer un très très bon moment tous ensemble à parler de catch aujourd'hui et euh, dans les semaines à venir. Donc, euh, vraiment euh, super content et euh, j'espère que vous allez bien apprécier ce grand retour du Podcatch. Je pense honnêtement, les amis, que vous allez bien apprécier. Je vous présente cette belle brochette de chroniqueurs. Regardez-moi ça. On est donc parti tous ensemble pour ce premier épisode du retour du Podcatch. Vous allez voir nouveau format. Euh, nouveau design, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le chat. Et d'ailleurs, avant de commencer avec la première chronique, les amis, je tiens à vous remercier parce qu'il y a déjà Fabiche hein, qui a déjà offert euh, un sub à Gafoval. Je remercie également euh, 067200 pour euh, Dominique pour son sub à Valkana. Euh, et merci également à certains chroniqueurs qui ont sub avec Prime, j'ai vu ça ce soir. Euh, merci Flavien. Hein, euh... Déjà de la oui, générosité, bah, ouais, ça fait bien. plaisir. Merci beaucoup. Eh bien écoutez, vous allez découvrir, hein, les amis, ce nouveau concept d'émission tout au long de la soirée. Vous allez voir, on a ajouté plein de petites nouveautés. On a essayé de faire en sorte que ce soit vivant. Je vais inviter les modos également, hein, qui sont là comme à chaque fois et je les remercie, à ne pas hésiter à lancer des sondages. Voilà, vous allez voir, parfois je vais demander l'avis des chroniqueurs ils auront des petites pancartes pour voter, etc. N'hésitez pas, les modos, à poser les mêmes questions au chat et j'afficherai les résultats à l'écran. Euh, ceci étant dit, les amis, on ne, paie, on ne perd pardon, pas plus de temps. On commence sans plus attendre avec la première séquence. On va revenir sur WWE Surtout cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. C'est parti! Effectivement, les amis, il s'est passé beaucoup de choses du côté d'Euro la nuit dernière. Et on va d'abord commencer avec Damage Control qui a accepté le challenge de Bianca Belair et ce n'est pas n'importe quel challenge. Effectivement, euh, c'est un petit peu dégénéré. Encore Arrow cette semaine. Je vais d'ailleurs poser la question aux chroniqueurs. Est-ce que selon vous, ce segment et l'annonce de ce match pour WarGames est un top ou un flop Je vous laisse voter, euh, les amis, avec vos pancartes. Et euh, on va poser la même question au chat. Du coup, Est-ce que selon vous, cette idée de WarGames pour cette rivalité entre Alex Tablis, Bianca Belair, Asuka. Et euh, vous allez voir Nicky Cross hein, également qui a rejoint ce clan de Damage Control. Il y a d'autres euh, superstars euh, qui seront annoncés pour ce face-à-face -face qui sera composé de 5 superstars de chaque côté. Est-ce une bonne idée euh, on, va, on va regarder l'avis des chroniqueurs et je vous laisse voter sur le chat. Les modos vont lancer euh, un sondage d'ici quelques instants. Alors... Du côté des chroniqueurs, bon bah, hey, franchement, hey, si pas tout bon. le monde a apprécié oh. cette petite rivalité. C'est une, une excellente nouvelle. On va commencer avec Flavien. Flavien, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, alors, de ce petit segment Yes, bah écoute, je trouve ça hyper intéressant puisque c'est vraiment, euh, en ce moment, Damage Control, je pense qu'ils sont à un niveau assez exceptionnel. On a eu des très beaux matchs aussi à Crown Jewel avec euh, Bayley, également Dakota et Yo. Et je pense que justement, ça va nous offrir un très très bon euh, tout avec les, les participants qui manquent. Euh, je pense qu'on va avoir des belles surprises. Euh, peut-être du côté euh, de l'équipe de Bianca, avoir peut-être un potentiel retour ou euh, justement des superstars euh, qui vont être à nouveau mis en avant. Donc je pense que ça va être vraiment très très sympa. On enchaîne avec Victor. Et oui, comme l'a dit Fabien, euh, Flavien, Flavien, pardon, ça commence. Euh, on voit une très très belle rivalité, mais moi quand je pense aux Wargames, je repense à l'époque euh, très glorieuse du Black and Gold NXT. Et ça, euh, rien qu'à y penser, ça me fait déjà rêver. Louis, est-ce que tu vas ajouter quelque chose Ouais, bah alors moi de toute façon je suis très content parce que j'apprécie énormément cette équipe de Damage Control. Je mettrais peut-être une mention spéciale à Bailey qui pour moi est, est rayonnante dans ce rôle de leader. Je trouve que ça lui va vraiment bien et il y a un vrai travail derrière sur son personnage et j'apprécie grandement. Et je vais mettre un petit point de nuance parce que moi je ne suis pas un grand fan de l'équipe de Blissaska Je trouve qu'elle ne se combine pas très bien. Même si elles ont fait un bon match à Crandjoule, je trouve qu'elles ne se combinent pas bien. Après, ça reste deux catcheuses très talentueuses en solo. Donc forcément, je pense que ça peut donner qu'un grand match. Voilà. Hugo, de ton côté, que penses-tu de cette annonce pour Wargames je rejoins Louis dans le sens où euh, Damage Control, personnellement, à euh, leur arrivée à SummerSlam, j'étais pas forcément trop fan de l'idée. Euh, et c'est vrai qu'en deux mois, ils m'ont fait changer d'avis. J'ai beaucoup aimé tous les angles qu'il y a eu autour, euh, autour de cette équipe. Euh, L'arrivée de d'Akotaka et Sky, je pense que les avoir emmenés dans le main event, dans le, dans le main rooster pardon, de cette manière, je pense que c'était une chose qui a été plutôt bien faite et plutôt bien gérée. Maintenant, comme le disait Louis, du côté Aska et euh, Alexa Bliss, euh, c'est là où j'ai un petit peu de mal en fait, à avoir l'équipe. C'est-à-dire qu'Alexa Bliss, euh, à la manière de Natalia du côté de SmackDown, elle va être en équipe un peu avec tout le monde. On ne sait pas trop où la mettre, donc on va la mettre un peu en équipe avec tout le monde. Et c'est peut-être ça le côté dérangeant. Maintenant, je me fais pas trop de soucis dans le sens où on a pu voir déjà à Grand Joule et encore une fois cette semaine à Raw euh, des, des, des interruptions un peu euh, avec le logo de Wyatt. J'ai vu que c'était beaucoup critiqué, que beaucoup de personnes n'étaient pas forcément fans de l'idée. Personnellement, j'adorerais vraiment revoir Alex Abyss du côté euh, de Bray Wyatt, surtout que là, euh, du côté de Bray Wyatt, euh, on, a, on, a, on a quelque chose qui s'annonce monstrueux. Donc, Quitte à ce que cette équipe vienne euh, à éclater par la suite, moi ça ne me poserait absolument pas de soucis. Euh, après, c'est vrai qu'au niveau du, du Wargame, euh, bah, c'est Wargame, comme le disait Victor, euh, les Wargames NXT, euh, ça a toujours été euh, des, des, des matchs spectaculaires. Euh, et justement, on voit qu'il manque quand même deux, deux candidates, euh, deux superstars féminines du côté de l'équipe euh, de Belair, Bliss et Asuka. Donc beaucoup ont parlé du retour de, de Naomi, de Sasha Banks. Et je pense pour le coup que non, ça va être plutôt vraiment quelque chose de différent et détonnant. Euh, enfin, pour ma part, je pense que on aura tout d'abord une Becky Lynch. On a vu du côté de SummerSlam qu'elle revenait complètement en, en face. Elle est venue aider euh, Belair quand elle se faisait attaquer, etc. Et, euh, on en parle depuis un petit moment et ça serait cohérent mais un retour de Tegan Nox, on sait que Tegan Nox et Dakota Kai ont été en équipe Dakota Kai a justement euh, euh, il turn contre Tegan Nox si je puis dire lors de NXT Wargame justement et donc je pense que ça serait vraiment un peu euh, le moment génial de faire revenir Tegan Knox dans, dans, à la WWE, d'autant plus face à Dakota Kai, maintenant moi, mon groupe en interrogation c'est qui va accompagner Damage Control et, et Nikki Cross, là je, je pourrais absolument pas vous dire, j'ai aucune idée, rien ne me semble cohérent et bien justement, c'est la question que je vais vous poser, euh, les chroniqueurs, et on va la poser sur le chat d'ailleurs. Euh, selon vous, les amis, qui va rejoindre ces deux équipes Je vous rappelle qu'il qu y a deux places disponibles du côté de Bianca Belair, Asuka et Alexa Bliss, et il ne reste plus qu'une seule place du côté de Damage Control, puisque on a Nikki Cross, hein, qui a rejoint le, le clan euh, dernièrement. Est-ce que vous avez des idées Est-ce que parmi les chroniqueurs, là, si c'est le cas, qui lève la main qui, qui a une idée on a évoqué Teganox. Moi, je rejoins un peu Hugo hein, sur Teganox. Je pense ouais. qu'il y a grave moyen. Pladiens, visiblement une idée. Ouais, bah moi, je pense euh, alors, du côté euh, damage control, verrais bien une Doudrop revenir. Donc, euh, le retour de Piper Niven, euh, je pense, que ça pourrait être un, un, un bon moyen de la remettre en avant, puisque c'est vrai que là, en ce moment, on la voit assez loin des écrans. Et euh, je pense que ce personnage de Doudrop, ça lui colle pas du tout. Et, euh, et je pense que ce serait le bon moyen justement de la faire revenir sous son vrai nom de Paper Niven et qu'elle défonce tout. quoi, Je pense que ça peut être vraiment la bonne chose à faire. Et ben je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a d'autres idées là chez les chroniqueurs ouais, une mention. Ouais. Donc Je suis je mention. Parce qu'en regardant Roux, j'ai vu qu'il y a eu un petit face-à-face -face entre euh, Real Replay et, euh, et Bianca Belair. Alors est-ce que ça peut être un signe pour le Wargame Je sais pas. Mais euh, il y a eu un petit face-à-face. -face. Donc voilà, je pose ça comme ça. <laughs> il se mouille pas, pas trop, trop l'ami mais <laughs> Jacques est-ce que tu as une idée de ton côté non j'ai vraiment aucune idée parce que là euh, d'un côté t'as une équipe qui est quasiment euh, créée depuis un petit moment déjà donc, euh, ce qui est bien parce que là pour les Wargames au moins ils vont pas créer une équipe factice juste pour l'événement où a, ils vont monter une fête une en fait en, en un mois même pas donc là on a quand même une, une équipe en fait, qui, qui se connaît. donc je pense que déjà, ça c'est un bon point après en face, c'est vrai que bah, Asuka et Alexa Bianco, mais ne sais pas, il manque un truc en fait une alchimie, je sais pas. Donc euh, à voir, à voir. Mais je, franchement, j'ai aucune idée de qui ça peut être. Alors là, actuellement sur le chat, on a des noms aussi qui reviennent beaucoup. C'est Naomi et Sasha Banks. Est-ce que selon vous, vous pensez que la WWE va ramener Sasha Banks et Naomi, sachant que on a Sacha Banks qui s'est exprimé un petit peu il n'y a, a pas très longtemps. Qui a justement teasé quelque chose qui allait arriver, elle disait qu'elle avait hâte que ça se produise. Est-ce qu'elle parle d'un retour à la WWE Est-ce qu'il y a... Victor, il fait, il fait signe de la tête, non Victor. Alors on t'écoute. Alors euh, si on suit un peu euh, l'actualité de Sasha Banks et Naomi sur les réseaux sociaux, euh, elles ont un peu mis le catch de côté, elles se sont... Voilà, elles se sont un peu promues à droite et à gauche. Même si on a vu que Sasha Banks notamment euh, continue à s'entraîner. Euh, je pense qu'elles ont un peu tourné la page pour maintenant, du moins pour cette année, et qu'elles ne seront pas présentes pour les Survivor Series. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la main Sacha Banks, Naomi. Ouais. Ça inspire quelqu'un Hugo, on t'écoute. Ouais, je suis pas, je suis pas forcément fan de l'idée, dans le sens où je pense qu'elles n'ont pas forcément besoin de ça pour euh, se remettre à fond en avant. Je vois, il y a Marcus dans le chat qui dit que Wargames, sera à Boston, donc la vie de Banks, c'est vrai, ça peut être un point à prendre en compte. Mais. Je ne sais pas, je n'arrive pas à croire encore au retour potentiel de, de Naomi et, et, et Sacha Banks. Euh, je me dis que ce n'est pas pour maintenant. Je veux dire, on n'a pas eu forcément trop de rumeurs autour, tout ce qui est euh, euh, site de news, etc. Euh, euh, bon, après, beaucoup ne sont pas fans de ce genre d'idées, etc. Mais. Je trouve qu'on n'a rien eu de, de bien précis, de bien concret, euh, si ce n'est un retour sur le générique, mais après ça a été démenti comme quoi c'était euh, une erreur de la part des, du, du, du staff WWE. Donc euh, très honnêtement, je ne verrais pas d'utilité, d'autant plus que je vous dis, on a une Becky qui est, Lynch qui est, je pense, sur le point de revenir. Euh, et euh, et Teganox, ce serait juste parfait, et d'autant plus que là, Teganox, on avait vraiment pour le coup des, de réelles rumeurs de, de retour de sa part. Après, c'est vraiment damage control. Où là, pour le coup, je rejoins pas forcément Louis quand il parle de Real Replay. Je pense que Real Replay pour le moment est bien occupé euh, avec le jugement Day. Alors, on, on, je vais vous poser une dernière question et puis euh, on va conclure là-dessus. Hein. En attendant, les amis euh, sur le chat, euh, je vous invite à aller voter. J'ai lancé un petit sondage. Est-ce que, selon vous, le War Games match pour la division féminine, c'est un top ou un flop On va vous laisser quelques minutes pour voter. Euh, Est-ce que, honnêtement, Sacha Beck et Naomi manquent à quelqu'un là aujourd'hui est-ce qu'elle vous manque ou est-ce qu'on se dit finalement bon, on fait 100 on, on fait et ça se passe pas mal quoi <laughs> Jacques, je te sens inspiré <laughs> euh, tu, me, tu me mets dans la mouise, hein. je réponds comme ça tout de suite là chaud euh. <laughs> Vas-y, vas-y, on t'écoute Bah, euh, je pense que les deux, les deux, si elles reviennent. Ce ne sera pas en équipe. Je pense que euh, elle, enfin, avec ce qui s'est passé, euh, l'abandon des titres, euh, voilà, le, le fait qu'elles ont été suspendues puis euh, virées, où on ne sait pas vraiment. Donc un, ça fait un flou. Et je pense que les remettre en équipe, là, ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il faut peut-être se concentrer sur les, les titres de Bianca et de, de Ronda Rousset. Donc je pense qu'une des deux va faire un, un titre, peut-être Sacha Beggs, je ne sais pas. Peut-être revenir en heal ou face à Bianca. Donc je pense que ça peut être sympa. Donc euh, je pense plutôt à ça en fait. Et pour répondre à vos questions, bah, ouais, elles m'ont un peu manqué. <laughs> <laughs> Est-ce qu'elles vont manquer à tout le monde on va, faire, on va faire court. Non. Alors moi personnellement, moi, euh, Sacha, oui, d'un côté, puisque c'est euh, une catcheuse que j'admire énormément, qui euh, quand j'ai repris le catch en 2015, euh, bah, m'a franchement marqué. Mais Naomi, j'avoue que de ce côté-là, Naomi, c'est pas, pas mon adoration de base. Et je trouvais que le tag team était pas mal, mais euh, je pense qu'il faut que Sacha revienne en solo, euh, tout simplement quoi. Mais ouais, Sacha m'a manqué quoi. Ça enfin, me manque toujours quoi. <laughs> Et bah, je vous rejoins hein. personnellement. Euh, je, je trouve qu'elle manque un petit peu. J'aime beaucoup Naomi. Moi, je la trouve très talentueuse. J'ai toujours trouvé un petit peu sous-estimée. Naomi mmh. euh, et, et Sacha Banks, Sacha Banks j'avoue un peu moins, je, je, Naomi me manque plus que Sacha Banks mais on voit d'ailleurs sur le chat, hein, je ne sais pas si vous lisez en même temps les, les commentaires, mais on a Blanca par exemple qui, qui nous dit que Sacha Banks lui manque quand même mais on a mmh. des Mikael qui nous dit non on fait avec, euh, Star Corton qui dit non il nous manque pas, euh, voilà il y a un peu des deux, hein, c'est mitigé, euh, visiblement leur absence ne se fait pas tant remarquer que ça. Les amis, pour conclure sur ce premier point, on va regarder euh, le sondage. Est-ce que euh, le War... Ah oui, très clairement, War Games match pour la division féminine. Selon vous, c'est un top à presque 82%. Donc vous êtes très favorable au War Games match pour la division féminine. Les amis, je vous propose d'enchaîner avec le prochain point. On va parler d'un nouveau retour. C'est le retour de Miyam qui est venu pour aider Zee aussi à Arrow cette semaine. Effectivement, on a aussi qui, durant leur segment Aro se plaignait d'être un petit peu à 3 contre 4. Du côté de Crunjou et Jaestalz, on a dit qu'ils n'avaient pas réussi à trouver quelqu'un pour justement se mettre à 4. Mais... Quelqu'un est venu trouver zia aussi pour venir contrer The Judgment Day. Cette personne, c'est Miyam. Donc, première question, les chroniqueurs. Euh, qui, euh, que pensez-vous pardon, de ce retour Est-ce une bonne chose Et Est-ce que vous êtes favorable à ces clans qui, qui se multiplient quand même on, on, on peut remarquer ça d'ailleurs avec Triple H. Euh, on a beaucoup de clans en ce moment, euh, aussi bien du côté féminin que du côté masculin. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous J'ai envie d'entendre Hugo moi là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses euh, Tout d'abord le retour de Miaim. Euh... En vrai, ça me fait ni chaud ni froid dans le sens où j'ai pas forcément trop connu la catcheuse du côté de NXT. Le seul point positif que je trouve à ça, c'est qu'il y a enfin quelqu'un qui va pouvoir venir friter Réa Ripley euh, <laughs> depuis le temps. Elle, enfin, Réa Ripley, elle est incroyable dans son personnage, elle est vraiment insupportable et c'est ça qui fait la force de son personnage. Et tout le temps là à narguer les hommes, ben non, les gars, vous pouvez pas me toucher et tout, on a eu Bête Phoenix. Mais là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui va être là pour lui rentrer dans l'art un peu. Donc euh, c'est donc bien. Là, de ce point de vue, je suis content. Après euh, la pauvre Miaim euh, du côté de rétribution, elle n'avait pas eu un gros impact pour ses débuts du, dans le main rooster. Euh, mais je pense que c'est bien. C'est bien qu'elle soit là. Après, maintenant, l'histoire des clans. Faut pas trop, je pense, en abuser. C'est bien, mais il faut pas non plus que ça se multiplie et qu'on ait que ça et que ça tourne que autour de clans euh, les, au niveau des storylines. Louis qui a l'air d'être d'accord avec toi là-dessus. Moi, de toute façon, je suis un peu comme Hugo, euh, Mayaim, c'est Mayaim, c'est ça Je sais même pas comment ça se prononce. Euh, je... Je, je ne la connais pas forcément, donc euh, je, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Elle a l'air assez badass en tout cas de vue, mais après, euh, je ne la connais pas. Mais c'est vrai que juste pour l'idée de rééquilibrage, je, je trouve que c'est une bonne, une bonne chose. Voilà. Après, pour te rejoindre aussi sur cette idée de clan, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clans en ce moment. Ce n'est pas forcément pour me déplaire, mais il faut faire aussi attention et peut-être un peu plus mesurer euh, le nombre de clans, parce qu'après, ça commencera à faire beaucoup. Flavien et Victor, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté Flavien, vas-y. Allez, je... ah, moi, écoute, euh, Miyagim, euh, je l'ai regardé un petit peu à NXT à l'époque. Euh, J'aimais bien son côté un peu badass. Donc, je suis content de la revoir. Euh, parce que, vraiment, je trouve qu'elle a un style de catch assez euh, atypique, tout ça. Et euh, je pense que ça peut être pas mal ouais, contre Ria. Euh, ça fait plaisir d'avoir un 4 contre 4 un peu comme ça. Là, on va pouvoir enfin avoir un match. Un vrai match 4 contre 4, ça se trouve, avec euh, un peu du mix. Euh, donc, ça peut être cool. Mais, euh, ouais, pour revenir sur les équipes. Euh, je trouve que ça commence à se multiplier pas mal j'aime bien ce style hein. euh, j'ai aucun problème contre ça mais on voit aussi de, du côté de Nexty avec la fille de The Rock là, qui a rejoint euh, euh, je ne sais plus le nom désolé de, de l'équipe mais euh, ouais, je trouve ça intéressant après à voir euh, faut pas trop que, euh, que ça se multiplie quoi, parce que sinon euh, ça va devenir un peu lourd euh, ça, je pense Victor Alors de mon côté je vais rejoindre un peu ce qu'a dit Louis sur euh, savoir mesurer le nombre de, de clans dans le roster principal euh, mais d'un côté j'aime bien les clans parce que par exemple avec euh, judge Monday on a du, du catch mixte et ça c'est très intéressant que ce soit dans les promos euh, mais aussi dans des matchs et Miyahim je vous avoue que avec ses débuts elle a fait forte impression et j'espère qu'elle va continuer sur sa lancée après, juste pour rebondir, euh, c'est vrai que le fait d'empiler autant de, de clans dans un show, ça peut être aussi intéressant à regarder parce que c'est assez inédit d'avoir autant de clans qui commencent à se combiner. Et peut-être qu'après, si la WWE arrive à faire un truc sympa avec, ça peut être vraiment sympa. Mais euh, à voir comment c'est fait et avoir aussi avec la maîtrise. Alors, j'ai une autre question à vous poser. On a Mickaël Hilo qui nous fait une petite remarque intéressante sur, sur le chat, là, justement. Et c'est d'ailleurs un, un sujet qui a été évoqué dans les dernières news aussi. J'ai vu des choses passer à ce sujet. Euh, il nous dit Le problème de la WWE en ce moment, c'est qu'on a trop de femmes. Il faudrait créer un titre secondaire. Alors, j'aimerais bien avoir l'avis des chroniqueurs là-dessus. Est-ce que, selon vous, un titre secondaire côté féminin, ça serait une bonne idée On voit qu'ils ont tenté quelque chose avec le titre 24-7, avec Dana Brooke. Est-ce le meilleur des exemples Je ne pense pas. Mais est-ce qu'un titre intercontinental ou des États-Unis côté féminin, ça serait une bonne idée selon vous Qui est pour Qui est contre Moi, je suis contre. Et contre, Louis Eh ben on t'écoute. Pourquoi Je suis contre. Alors, l'idée est très bonne. Je pense que ça, peut, ça pourrait être une très bonne idée de mettre un titre, un titre secondaire au féminin. Le problème, c'est où est-ce qu'on va le caser c'est ça aussi. C'est toute une, une gestion. Il y a déjà beaucoup de titres masculins. Et ils ont réduit le nombre avec euh, certains titres. Et alors, du coup, si c'est pour rajouter un titre féminin, est-ce qu'ils vont arriver à le caser Maintenant, les pay-per-views sont un peu plus réduits. Donc euh, c'est. Je pense qu'ils n'arriveraient pas à mettre en fait euh, le, le titre et à le faire une gestion cohérente avec. De valoriser. Donc, je suis content. Ouais. Je suis d'accord avec lui. Est-ce qu'il y en a qui sont en désaccord avec lui ben, je suis plutôt pour, et, enfin je suis pour, mais à la fois contre dans le sens où je pense que ça pourrait apporter euh, quelque chose de super positif à cette division féminine, mais contre dans le sens où on voit que déjà la gestion des titres par équipe, elle n'est pas forcément folle. Alors est-ce que rajouter un autre titre par-dessus... Ça va euh, venir aider les choses pour disperser un peu les, les, les superstars féminines, je sais pas, mais en tout cas, je pense que l'idée de créer euh, un, un titre ne serait-ce qu'intercontinental, comme l'avait euh, proposé Bailey dans une récente interview, je pense que ça peut être quelque chose de, de sympa. Après, maintenant, comme le disait Louis, avoir la gestion pour que ça puisse être géré convenablement et que, que ça soit sympa à regarder surtout. Je suis assez d'accord avec vous, hein. c'est toujours le risque quand on multiplie les titres comme ça, c'est euh, d'avoir un titre qui se retrouve mal géré, euh, enfin voilà, c'est pour moi c'est une prise de risque aussi, alors est-ce que la division féminine est assez mûre ou pas pour l'accueillir On verra après, il faut se dire aussi que désormais on a Triple H quand même aux commandes, on sait que Triple H, la division féminine, il y est un petit peu attaché, euh, voilà, il, il, je pense qu'on peut lui faire confiance maintenant, euh, Voilà, sur le chat hein, c'est euh, assez partagé encore une fois, on a, on a des deux. Euh, on a Sushi qui nous dit c'est une bonne idée mais faut savoir quoi en faire, hein, ça rejoint ce qu'on disait euh, on a Marcus qui nous dit fausse bonne idée, hein, FBI euh, pourquoi pas, euh, il y a de l'amélioration avec les titres féminins, trop de titres tue la compétition, c'est un peu vrai aussi, donc voilà c'est Jacques on t'a pas entendu sur le sujet toi, Jacques il se fait discret, hein. Jacques il veut pas se mouiller il se fait discret lui, hein. ah bah je me suis assez mouillé comme ça hein. <rire> <rire> d'ailleurs hein, veux... hey, en vrai Jacques je veux pas faire trop de teasing pour les gens mais tout à l'heure tu, tu nous as promis une petite séquence on a hâte de l'entendre hein, je vous fais un peu de teasing <laughs> les amis mais Jacques a sa propre séquence dans le podcast et vous allez apprendre des choses grâce à lui ouais, j'espère que t'as révisé ça c'est du teasing non, les amis pas... oui Jacques ah Pardon, je pensais que tu. Enfin, euh, J'allais revenir sur le sujet, mais. Oui, c'est vrai, euh, du coup, c'est pour ça que je te donnais la parole, mais en plus, je te, je te laisse même pas parler. <laughs> bah Merci. On t'écoute. Euh, bah, après, euh, je rejoins vraiment les garçons sur ça. En vrai, il euh, faut savoir quoi en faire. Déjà, les titres par équipe, bah, en ce moment, euh, bah, ils sont avec des matchs contrôles, mais. Euh, comme en ce moment, c'est vraiment le clan. On parle plus trop en fait du titre limite, et euh, je trouve ça aussi. Euh, comment dire De c'est pas le titre en fait qui va vraiment donner en fait de la valeur en plus ou de la mise en avant en fait sur des sur les sur les catcheuses. Je pense qu'en fait c'est l'intensité. S'il faut juste deux catcheuses en fait qui ont une bonne histoire à raconter, bah ça peut voler le show en fait. Un, 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 un ronda, un ronda euh, Becky au début quand ça, ça se cassait la gueule etc bah, c'était pas encore sur le titre enfin c'était euh... donc je pense qu'il faut vraiment deux bonnes, une bonne réveilleté entre deux deux catcheuses en fait pour euh, mettre ça en avant et puis euh, bien exploiter en fait la division c'est brillant ce que tu dis oh, mais regardez-moi regardez-moi cet amour entre les deux <laughs> oui, voilà, voilà. Oh, J'espère que vous avez screen les amis Parce que c'était magnifique Bon écoutez les amis Je vous propose de passer au prochain point On va parler d'un sujet euh, Qui est le sujet majeur De ce dernier épisode d'Euro Je sais pas vous mais moi de mon côté J'étais bouche bée quand j'ai vu ça Et le premier truc que je me suis dit pour être honnête C'est euh, honnêtement Est-ce que c'est Triple H qui a bouqué ça Ça lui ressemble tellement pas Je trouve je trouve ça tellement étrange, on va en discuter ensemble. N'hésitez pas sur le chat à partager votre avis également. Les chroniqueurs, est-ce la bonne décision, oui ou non Je vous laisse utiliser vos petites pancartes. Austin Theory qui encaisse sa mallette sans succès. Comment ça s'est passé hein Cette Rollin se fait attaquer par Bobby Lashley. Austin Theory, en grand opportuniste, arrive pour encaisser sa mallette, pour se dire je vais devenir champion des États-Unis. Déjà là, on se dit un peu bizarre quand même d'encaisser sa mallette sur le titre des États-Unis. Mais enfin, bon. Pourquoi pas On sait que du côté du titre mondial, c'est un peu compliqué. On se dit bon, Triple H a sacrifié la mallette pour le titre des États-Unis, pourquoi pas euh, Ensuite, euh, Austin Theory, franchement, prend bien le dessus sur Rollins. Hein. Voilà, il enchaîne les belles prises, il, les, il le couvre à plusieurs reprises sans succès. Il a même réussi un pedigree sans succès. Hein. Rollins se dégage encore une fois. Et ensuite, on a l'intervention de Bobby Lashley qui va tirer l'arbitre et qui va clairement. Le match à Austin Theory, puisque ensuite il va se prendre un stomp de la part de Seth Rollins et il va perdre le match. Il perd donc et le titre, hein, donc pas de titre pour Theory et plus de mallette. Donc voilà, voilà comment ça s'est conclu. Qu'en ont pensé les chroniqueurs Est-ce la bonne décision Et bah tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord. Non, ça n'est pas la bonne décision. Euh, décidément, vous vous êtes passé le mot euh, ce soir. Euh, Flavien, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté de, de ce choix de Triple H Yes, alors, alors moi j'ai mis non, mais je suis vraiment. J'hésite entre les deux. Je suis à moitié de dire oui, à moitié de dire non. En fait, ce qui est compliqué, c'est que je pense que c'est une bonne idée euh, du point de vue build d'Austin, de, de, puisqu'en fait, euh, là c'était sous l'air de, de Vince qui a reçu la, la mallette, il était extrêmement mis en avant. Et euh, je pense que c'est une bonne chose d'avoir fait perdre justement sa, sa mallette et faire perdre le match, puisque là, ils vont pouvoir vraiment essayer de le build de la façon qu'ils veulent. Euh, après, euh, je trouve que c'est une mauvaise idée, puisqu'il aurait pu l'utiliser euh, pour le titre NXT, par exemple, puisqu'il avait teasé pendant un épisode, euh, il était venu pendant un match avec la manette, euh, se montrer euh, face euh, au champion euh, NXT. Euh, mais voilà, après, euh, je pense qu'il aurait eu un autre moyen d'utiliser, il aurait peut-être pu l'utiliser de façon plus intelligente, euh, comme... Euh, Genre, euh, pour un pay-per-view, tu vois, il, il dit bah, Je mets ma mallette, je veux ce match contre euh, Roman ou quoi, pour euh, le main event d'un pay-per-view. Tu vois, il aurait pu main event à pay-per-view, même WrestleMania, hein, par exemple. Hein. Il aurait pu faire ça. Donc, euh, je trouve que c'est. Euh... Il y a eu be il y avait beaucoup d'idées. Je pense que c'est une bonne décision de la part de Triple H d'avoir fait ça. Après, sur le titre bon, c'est pour ça que c'est un, un peu spécial, mais bon, euh, je trouve que. Je... Ouais, c'est compliqué. Moi, j'ai du mal à. À donner mon avis là-dessus, euh, je, je suis ni pour ni contre euh, cette chose. Quoi. Hugo euh, Moi, je suis vraiment déçu parce que j'avais vraiment espoir en, en théorie. Je pensais réellement au plus profond de moi que Théorie allait être cette personne qui allait euh, pouvoir euh, détrôner Reigns d'une manière ou d'une autre. Ah ouais Mais réellement, je pensais. Ouais, vraiment, je pensais réellement. Moi, en théorie, je voyais. Typiquement en, en théorie, et eh, eh, franchement, carils... beau jeu de mots, bravo, bravo. Il n'est pas, pas volontaire. Non, vraiment, je pensais réellement que cette théorie, ça allait pouvoir être cette personne faire des débuts à la, à la John Cena. On en revient toujours au même, mais vraiment avoir des débuts tellement impactants que ça soit bah le, le John Cena de, des, des années 2020-2030. Enfin, je veux dire, vraiment, théorie, moi, je croyais réellement euh, à, à, à ce que ça soit la personne qui fasse. Euh, qui fasse tomber Roman Reigns. Bon, avec un Donc. petit peu plus de crédibilité, je vous l'accorde, parce ouais. que c'est vrai que là, c'est déjà Non, mais bien sûr, il aurait fallu construire quelque chose autour, mais je pense que théorie, en, en avait les épaules. Maintenant, le petit coup de gueule, c'est surtout en, en, par rapport au, à la gestion de la manette Money Bank. Si vous regardez sur les cinq dernières années, entre Corbyn qui se fait déchirer par Jean normal avec tout le respect que j'ai pour Jean normal c'est Jean normal ok <laughs> Euh, Strowman qui va mettre sa mallette en jeu dans un Hell in a Cell où il se fait détruire par Brock Lesnar qui sort de nulle part. Brock Lesnar on le retrouve l'année d'après. Lui, il pompe up, il est même pas dans le match. Il arrive, euh, il prend la mallette. Et enfin, je sais pas, il y a plein de trucs comme ça. Je oh, ah, crois que le pompon, c'est Otis. Otis, il gagne, et on va faire gagner le Miss derrière. Y a, et puis là, Théorie, et en plus, Théorie, c'est sur le, le titre US. Enfin, je veux dire, la gestion de la mallette Monique de Bank sur ces 5 dernières années, elle est complètement Complètement chier. Désolé du terme. Euh, d'autant plus que là, là je crois que c'est le pompon avec euh, avec Tori qui cache sur, euh, sur, euh, sur un, un titre mineur on avait toujours l'habitude, c'était ce petit truc qui faisait que la mallette était si mythique c'était bah, que le gars qui gagnait il pouvait aller chercher le titre mondial et là bah non, tu casses tout et je trouve que ça en enlève un, un, petit côté, euh, un petit côté de ce mythe de, de la manette euh, Money in the Bank donc euh, ouais, je suis plutôt déçu quand même Louis de ton côté je te vois grimacer là oui, je, alors je m'oppose un poil avec ce que tu dis sur quelque chose. Je pense que l'idée de cacher sur le titre des États-Unis, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais en fait, l'idée, elle ne marche pas. Parce que déjà, euh, je pense que le titre, le titre des États-Unis n'a pas été euh, assez mis en avant pour être, euh, pour être caché par, le, par une mallette. Avec la mainmise de Roman Reigns sur, sur le titre mondial, on pourrait dire OK, Theory peut aller chercher le titre des États-Unis, surtout qu'il peut faire le main event. Rollins a fait le main event, le main event avec le titre des États-Unis, mais euh, le, le titre des États-Unis n'était pas assez crédible pour en fait avoir une convoitise. Et donc du coup, je, on comprend pas le sens de, de Theory à faire ça. Et deuxième chose, c'est que Theory a déjà été champion des, des États-Unis il y a pas longtemps. Et dans nos têtes de téléspectateurs, on se dit, mais pourquoi, en fait, c'est pas logique, pourquoi théorie irait rechercher le titre des États-Unis alors qu'il pourrait aller chercher au-dessus, quoi ouais, Donc, mais... l'idée n'est pas forcément mauvaise, mais elle ne marche pas. Moi, je trouve que, justement, continuer sur ce titre mineur, c'est une, une, une erreur, dans le sens où, si vous reprenez, les, en, en, vous faites une rétrospective des derniers caches, c'est vraiment ce titre mondial qui fait que les caches sont toujours mythiques et ils sont... Toujours à donner des moments grandioses. Le cash de Ziegler sur Del Rio, je suis désolé, c'est sur le titre Poilot, vous faites ça sur le titre intercontinental, ça n'a pas la même saveur. Euh, mm. Vous pouvez reprendre tous les, tous les cash, ceux de CM Punk, c'est pareil, vous pouvez les reprendre, vous n'aurez pas la même, la, la, la même émotion à voir un, un, un gars cash sur un titre mondial que sur un titre des États-Unis. Sans décrédibiliser le titre des États-Unis, enfin c'est pas du tout la même chose. Juste pour rebondir, le, le truc, c'est que ben, aujourd'hui, le titre mondial, il est quasiment intouchable. Et euh, Austin Theory, moi, je l'aime beaucoup, hein, mais pour moi, il n'a pas encore cette statue pour, pour aller essayer de détrôner un Roman Reigns. Et euh, justement, là, ça aurait pu être l'occasion de. Allez, on va jouer la carte de l'originalité, on va peut-être crédibiliser un peu plus ce titre des États-Unis. Voilà. Franchement je suis désolé mais je vais passer la main à Jacques parce qu'il est trop mignon Il est beaucoup trop mignon, il lève la main comme à l'école C'est trop mignon, vas-y Jacques on t'écoute J'essaie Mais en fait je pense que Triple a voulu faire ce cash en fait sur une ceinture mineure Parce que dans la tête je pense de tout le monde On voyait, à part Hugo, on voyait personne voir théorie caché sur Reigns et gagner donc je pense que le fait que ça se passe avec euh, sur un titre comme euh, Rollins donc le titre des États-Unis bah quand es sur place ou être devant la télé tu, tu vois de théorie arriver tu dis bah tiens c'est bizarre euh, jamais tu l'aurais vu là donc je dis pourquoi pas donc là tu dis il y a quand même moyen que lui par exemple sur Rollins il peut le battre donc là c'est vraiment pour je pense pour créer la surprise et puis faire croire aussi aux fans que là il y a vraiment de possibilités alors que tu fais ça sur un match où il y a Reigns, tu sais très bien qu'à la fin, bah, il y a très peu de chances que ça passe, quoi. Alors que là, sur un Rollins qui est blessé en fin de row, bah, tu te dis, ah bah, il va la Bah oui, il va, il va le faire. Franchement, moi, je pensais vraiment qu'il allait, qu allait réussir, quoi. Donc, ça, je pense que c'est un effet qu'il a voulu dire. Il dit... Je me lui dire, bah, vas-y, quitte à, à gâcher euh, une mallette parce que franchement, je vois pas, théorie, euh, réussir son cash. Autant le faire sur le titre des États-Unis, job de 1 pour créer la surprise, de 2 pour vraiment faire croire aux fans bah, qu'il y a vraiment possibilité sur ce coup-là. Et de 3 bah, voilà, il, il a raté parce qu'il n'avait pas de pente derrière. mais bien dommage, quoi, mais bon. Il, il y a pas une autre manière à faire. On, en fait, on, là, on parle de Reigns là tout de suite maintenant. Bien sûr, qu'il est intouchable, mais je veux dire, théorie, euh, même si on considère que le money de Bank va être renouvelé à Ménia, etc., il a encore presque cinq mois devant lui. On avait cinq mois pour justement euh, build un personnage, enfin euh, construire vraiment un personnage costaud autour de théorie qui puisse avoir les épaules pour aller chercher Reigns. Et vraiment, euh, euh, fin, pour moi. Théorie, c'était la personne. Forcément, les Cody Rhodes, les Bray Wyatt, etc. Ok, mais Théorie, ça aurait été un, un début de carrière, mais sensationnel à la John Cena. Moi, ouais, je partage totalement. Alors après, <laughs> moi, Hugo, honnêtement, hein, le prend pas mal, mais moi, je l'ai jamais, enfin, euh, je le voyais vraiment jamais remporter les titres. Non, mais à l'heure actuelle, forcément, il a, il a rien pour lui, le pauvre. Non, enfin, mais même sans ça, lui. même sans ça, en fait, il faut, faut se dire que même à l'heure actuelle, tu mets Théorie de côté, Tripoli, tu es en train de se demander comment il va faire perdre Roman Reigns. Roman Reigns, ça mais fait bien sûr, bien des sûr, années qu'il est champion. On emploie le terme des années maintenant, tu te rends compte enfin, genre, non, il, sûr, il a atteint oui, un niveau oui, de crédibilité ouais. que Austin Theory, qui vient de fraîchement débarquer dans le ressort principal, enfin moi je l'adore beaucoup, Austin Theory, c'est l'un de mes catcheurs favoris aujourd'hui, enfin je suis d'ailleurs très déçu de son utilisation. Mais honnêtement, là, c'était impossible de le, de le voir cacher, si, mais de le voir remporter les titres, absolument pas. J'ai lu sur le chat tout à l'heure, je ne sais plus qui disait ça, c'était Mickaël Hillot, encore une fois, qui disait qu'il faudrait séparer les titres majeurs, sérieusement c'est relou à force, et euh, il disait qu'avec la mallette, c'est peut-être le moment de les séparer. Effectivement, il y avait peut-être quelque chose à faire, et peut-être que euh, ça aurait pu, on aurait pu avoir un théorie champion de, 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 de l'une de ces ceintures. Si Triple H avait eu l'idée d'un scénario, honnêtement j'ai pas d'idée en tête. Mais c'est vrai qu'il faut se mettre à leur place. Je pense que c'est très difficile aujourd'hui de faire perdre Reigns ou de lui retirer même une seule ceinture euh, avec un scénario comme ça, tout en gardant Reigns crédible, quoi. et honnêtement, faire perdre Roman Reigns face à Austin Theory, sachant que Theory enchaîne les défaites et tout, en plus, c'est compliqué. Mais bien sûr, mais pas à l'heure actuelle, forcément, pas à l'heure actuelle. Non, mais même quand il a remporté la mallette il y a, a, a 4-5 mois, clairement ça le faisait pas, quoi. Moi, pour moi, tout c'est toute la période où il a eu, il a eu sa mallette et même jusqu'à son cash, et oui, très clairement, je vous rejoins, il n'était pas prêt, ce n'était pas, pas le bon moment. Mais je me dis, le gars, il a encore 5 mois devant lui. Et 5 mois, tu sais qu'à la double bleue, ça peut bouger. Il y a énormément de choses qui peuvent bouger. Mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, enfin, je, bien sûr qu'il n'y a personne qui peut aller chercher Rain à l'heure actuelle. On va, on va regarder ce qu'en pense euh, le chat, si j'ai encore le sondage. Ah non, le sondage est terminé, malheureusement. Alors, j'ai pas eu le temps de voir le, le résultat. Est-ce que JB euh, aurait le, le résultat Comme ça, je vais le dire euh, à l'oral. Euh, mais moi j'ai une dernière question à vous, à vous poser sur ce point. Est-ce que vous ne pensez pas que euh, tout ça, c'est peut-être qu'une entourloupe On le sait, hein, on, on c'est déjà arrivé qu'on ait des interventions ou des gens qui viennent semer la pagaille durant un cash. En théorie, ça n'annule pas pour autant le cash. Mais est-ce que l'intervention de Bobby Lashley pourrait pas mener à un théorie qui vient se plaindre la semaine prochaine auprès de Triple H ou auprès d'une autre figure d'autorité pour dire.. Et j'ai encaissé ma mallette, mais il y a un mec qui est intervenu, il serait pas intervenu, je serais champion aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça ne peut pas se passer comme ça Je vois Jacques qui dit oui. Alors, Jacques. Non, je suis d'accord. Bah, ils ont bien euh, transféré la mallette entre Otis et Mise entre guillemets. Donc, euh, je pense que, franchement, c'est bizarre de finir euro comme ça, et puis Bobby Lashley qui intervient aussi. Donc, euh, on ne sait pas pourquoi, moins il s'attaque à, à théorie. Donc, il n'y a vraiment pas de sujet de valable. Donc, euh, c'est vrai qu'il peut se plaindre et puis euh, peut-être euh, soit redonner euh, la mallette à Théorie ou soit peut-être refaire un match euh, entre Bobby Lashley et euh, Théorie et peut-être pour, pour, pour la mallette. Comme ça, Bobby Lashley, il peut récupérer euh, la mallette. Et imaginons bah, euh, par la suite à Brock Lesnar qui récupère la ceinture ou un truc comme ça, bah, au moins il pourrait peut-être se revenger derrière. Enfin, ça peut être un scénario comme ça par la suite, donc euh, ça peut être sympa. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne croient absolument pas à ce scénario <laughs> ouais. Vas-y, Victor. Bah, qui va parlé encore Bah, oui, évidemment que je ne crois pas du tout à ce scénario. Et je vais rejoindre Flavien sur un point c'est que je pense que pour Théorie, il y a des plans euh, bien plus gros pour lui. Et je pense que cela va commencer euh, dès le prochain WrestleMania. Parce qu'on sait qu'ils veulent un peu réformer le système du Money in the Bank. Et peut-être que dans le Money in the Bank Leader Match de, du prochain WrestleMania, Théorie va l'emporter. Je vous le dis, c'est écrit. D'ailleurs, tu, tu fais une belle transition, c'est une question aussi que j'ai envie de vous poser. Vous pensez quoi de cette euh, réforme un petit peu Enfin, quoique, on va pas en parler ouais. maintenant parce qu'on va en parler plus tard. On, on va garder ça pour après on vous spoil un petit peu, les amis, Tout mais c'est la suite du programme. Donc, je vais garder cette question pour après. Bon, en attendant, le JB m'a donné le résultat du sondage et le sondage est très partagé. Hein. On avait euh, quasiment 50-50 entre les, entre les deux. Euh, donc oh. les gens sont, euh, pensent pas forcément que c'est euh, une mauvaise décision. Voilà, pour eux, fallait se séparer de la mallette et c'est ce que Triple H a fait sur le titre des États-Unis. Voilà, c'est dommage. Je pense qu'effectivement, comme le disait Hugo, je, théorie, il a peut-être pas eu la mallette au bon moment et c'est. Enfin, j'espère que ça va pas arrêter sa carrière et j'espère que Victor, Flavien, vous avez raison et que ce mec va continuer à aller vers les sommets parce que franchement, il est quand même hyper talentueux. Mmh. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur, sur Raw, sur ce point en particulier, les amis C'est bon pour tout euh, le monde C'est bon. Eh bien, écoutez, les amis, on va passer sans plus attendre à la prochaine séquence et euh, on va donc parler de l'image de la semaine. Euh, vous allez voir, je pense que vous, vous voyez très bien de quoi je vais parler. C'est parti, l'image de la semaine L'image de la semaine, les la amis, c'est euh, Nikki Cross qui euh, jette le titre 24-7 à la poubelle. Euh, la voici, cette image. Enfin, bon, quand on dit qu'elle jette le titre à la poubelle, c'est plutôt à côté. Hein. On va laisser Victor nous présenter euh, cette image. Victor, explique tout ce qui s'est passé. Eh bien, tout simplement, on a la caméra qui se dirige vers les coulisses de Raw et on voit le trio euh, Nikki Cross. Euh... Bailey, pardon, et EOSKY, et on voit Nikki Cross qui, qui, on va dire, qui tire une drôle de tête. Elle regarde vers le ciel, elle a la manette 24-7 en main, et là, elle le jette à côté de la poubelle. Alors là, quand j'ai vu le segment, je me suis dit, il euh, y a quand même une petite erreur. Mais non, euh, Bailey regarde derrière, euh, le titre est par terre, et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur euh, ce titre 24-7. Et le mystère a donc été résolu, euh, entre guillemets, euh, sur le site de la WWE, puisque le titre 24/7 a... est désormais officiellement décédé. Donc euh, il a été vraiment mis à la poubelle, et pour de bon. Alors, y a, euh, je me permets d'intervenir, il y a Marcus qui fait une, une remarque assez drôle, même la poubelle ne voulait pas du titre. Hein. C'est effectivement ce qui s'est passé. Est-ce que, les, du coup, les chroniqueurs... Est-ce que vous, vous retenez du bon quand même de ce titre Est-ce qu'il y en a qui, qui ont de bons souvenirs de ce titre C'est la vraie question. Hein. La bien, Elle est inspirée. Euh, ouais, ouais, carrément. Euh, non, des bons souvenirs. Alors peut-être euh, Arthros qui m'a fait extrêmement rire à l'époque. Euh, non, il y a eu des séquences très, très marrantes où tu as tout le monde qui court après le titre euh, en plein match euh, dans Raw ou dans d'autres euh, rosters. Euh, non, en vrai... Euh, Titre, euh, bah, t'es euh, un bon moyen de mettre en avant un petit peu euh, toutes les personnes qui enfin tous les catchers qui n'étaient pas utilisés, etc. Et euh, non, bah, je regarde un bon souvenir, mais bon, c'est ça me fait ni chaud ni froid quoi. <laughs> J'avoue que s'il est parti, c'est pas grave quoi. Bon, Excusez-moi, Louis, toi, j'imagine que ça t'a fait rire ces segments, bah, <laughs> pourquoi pourquoi, si tu imagines non euh, franchement ce titre ça appartient vraiment à la période où je n'ai pas regardé le catch donc je n'ai aucune attache à ce titre donc euh, pour moi elle l'a balancé à côté de la poubelle et, et, et c'est triste d'ailleurs qu'elle ne s'est pas lancé quelque chose dans une poubelle parce que bon elle était à côté quand même bon. après elle avait la tête en l'air hein, quand même pour la défendre hein. on sait pas ce qu'elle regardait d'ailleurs mais euh, elle avait la tête en l'air ouais, <laughs> Hugo de ton côté euh... En vrai, je me dis que de base, on était parti avec la fameuse annonce de Mick folie On pensait tous au titre hardcore, on était comme des oufs, Et au final, surtout avec le titre 24-7. Euh, non, mais après, ce qui m'a vraiment marqué, moi, c'est tous les règnes, les, les règnes, les règnes de Hercules. De euh, tous les petits moments avec les légendes, des choses comme ça. C'est vrai que voilà, c'était le, le petit moment fun de, de, de la soirée. Donc, avec garde de crédibilité, mais c'était rigolo de, de, de voir ça en fait, chaque semaine. Alors, je vais passer la parole à Jacques. Juste avant, les amis, je vous ai... Je vous, je vous, oh là là, dis donc Je vous ai lancé <laughs> un petit sondage. Euh, la fin du 24 247 est-ce que c'est enfin, ou est-ce que c'est dommage Je vous laisse voter, on affiche le résultat dans quelques instants. Jacques, de ton côté, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit segment Bah, je trouvé sympa. C'est vrai que on s'y attendait pas. Je voyais pas du tout euh, un segment euh, sur le titre 24h sur 24h. Hein. Parce qu'en fait, le titre, on l'a tellement peu vu en ce moment que là tu, tu vois Tannerbrook euh, arriver pour faire un match pour le titre tu dis bah ouais pourquoi pas et puis après tu vois euh, Nicky Cross qui s'en qui fout complètement en fait du titre puis qui, qui a pris dans les backstage bah le jette donc euh, bon après je pense que c'était vraiment voilà sur le moment même euh, pour faire plaisir à la chaîne avoir un titre à row, et puis voilà euh, faire des défenses etc mais euh, pendant le covid mais en vrai euh, c'était devenu lourd en fait bon, tout le monde s'en foutait de ce titre euh, donc je pense que voilà, Personne Enfin ça va manquer à personne Peut-être à bah, après le reste euh, ouais. Tout le monde C'est oh, vrai qu'il Et mine de rien Sans déconner et lui il a fait ses, Mais sa meilleure carrière Avec ce titre hein. il, est, il, a, il, a, il est combien de fois champion Déjà plus de 40 non Un truc comme ça 52 Pffaut fois j'ai regardé hein. 52 52 oh. Oh là 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 là. Je pense que lui-même N'aurait hein, jamais imaginé Remporter autant de titres à la WWE <laughs> il, y a des, il y a des soirées Il a remporté titre 4 fois Mais oui alors, on, bah là, je, je me. Va. Pardon bah Là, il s'en va en fait en même temps que le titre hein, finalement parce que bah est, est blessé, on le verra quand même sûrement, hein. Ouais, a, je pense que le pauvre là, il a pas dû bien prendre la nouvelle. Je pense que c'est le seul non. qui a mal dormi lundi soir. <laughs> je me permets d'intervenir avec Gauthier qui nous met un petit message d'ailleurs. Gauthier, hein, merci pour ton abonnement de niveau 10 dixième mois d'abonnement pour Gauthier. Bonsoir la team, comment ça va Et ben on va bah, très bien hein, pour commencer. Perso, enfin le retour à Saint-Tropez. Je vous embrasse fort avec de la chaleur. Voilà, saint dans le podcast, franchement. C'est beau. Eh, on est d'accord, c'est beau. Ça fait rêver. Et on remercie au passage Undertaker Nissa également pour son sub offert à Odastra. Ça fait extrêmement plaisir. On, est donc, on a donc Splice hein, qui est euh, le, le nouveau détenteur de la mallette Sub in the Bank. D'ailleurs, 23 <laughs> subs dans la mallette, les amis. Merci à tous. Euh, on parle donc de Nicky Cross qui vient de jeter le titre 24-7 et je vous ai demandé votre avis euh, sur le chat. Vous avez voté, on va regarder le résultat du sondage et c'est une grosse majorité hein, à 95%, presque 96%. Vous vous dites enfin c'est terminé ce titre 24-7. Je vais terminer rapidement en donnant mon avis parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Moi je trouve qu'il y avait du potentiel avec ce titre honnêtement. Euh, je, je pensais que voilà, si c'était comme le titre hardcore, s'il était utilisé... Avec du sérieux et pas uniquement avec du running gag. Hein, J'ai vu quelqu'un employer ce terme sur le chat tout à l'heure. C'est vrai que c'était tout le temps du running gag et uniquement ça. Et c'est ça qui est dommage, c'est que du coup on le prenait plus au sérieux ce titre. Mais le concept du je peux le défendre n'importe où, n'importe quand, avec un petit peu de segment euh, hardcore entre guillemets, avec l'utilisation de de tables ou ce genre de choses, ça peut vraiment apporter euh, une valeur ajoutée. Là clairement, tel qu'il était là, c'était vraiment pas intéressant. Je, je vous rejoins euh, les chroniqueurs. On en a donc terminé avec cette petite séquence image de la semaine. Merci Victor pour cette image. On se retrouve donc la semaine prochaine. On compte sur soi pour nous retrouver une belle petite image. Et en attendant, les amis, on moi je vous propose de passer au prochain point. On va parler du débat de la semaine. Et justement, on vous a fait un petit teasing tout à l'heure. Vous allez voir de quoi il s'agit. Vous allez vous aussi partager votre avis avec nous. C'est parti, le débat de la semaine. débat de la semaine, okay. le voici. Êtes-vous pour ou contre la fin des PLE à thème, des Premium Live Events, anciennement pay-per-view On parle des pay-per-view comme Inocel, des pay-per-view comme Money in the Bank. Voilà, ce genre de pay-per-view qui sont là pour amener une stipulation. Euh, on, on a l'habitude d'avoir ces pay-per-view depuis un bon petit moment. Hein. Je crois que du côté de, de Money in the Bank, c'est depuis 2010. Donc ça fait très longtemps, El c'est depuis 2009 si je dis pas de bêtises, donc on a maintenant clairement l'habitude d'avoir ces pay-per-views, maintenant Triple H, hein, c'est de là que par ce débat, c'est Triple H qui visiblement a envie de retirer, de retirer pardon, ses pay per view à gimmick, il, il, il a envie d'utiliser les stipulations quand c'est réellement nécessaire. Il, il dit, voilà, le l no Cell, c'est une stipulation qui doit être utilisée quand une rivalité devient intense pour conclure une rivalité. Le Money in the Bank, selon lui, il a sa place à WrestleMania. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Alors, est-ce que selon vous, c'est une bonne chose, la fin des Premium Live Event à thème Je vois que Hugo et Louis n'ont pas encore voté. Êtes-vous pour ou contre Je voté, j'ai mis pour. T'as mis pour. Eh bien, on t'écoute, Louis. Euh, pourquoi tu as mis pour alors moi j'ai mis pour, donc déjà je trouve que le, la question est bien faite parce qu'on ne parle pas du PLE en question, on parle vraiment pour la fin et je trouve, ça, je trouve que c'était bien fait, voilà. Et euh, moi je n'ai rien contre les, euh, bon je vais dire pay-per-view parce qu'avant c'était des pay-per-view, j'ai rien contre les pay-per-view à thème mais c'est vrai qu'au bout de 13 ans maintenant, parce que ça a commencé environ en 2009, on, on se demande ben, est-ce qu'au bout d'un moment ils ne se forceraient pas un petit peu, est-ce qu'il n'y aurait pas un, un sentiment d'obligation derrière tout ça et je trouve ça bien aujourd'hui peut-être de se lâcher avec tout ça, d'arrêter de dire bah, à tel moment on va mettre ces pay-per-view et à tel, tel pay-per-view on va mettre telle stipulation. Et je pense que c'est bien maintenant de dire bah, hola, pourquoi pas mettre un Elimination Chamber à SummerSlam comme on l'a fait avant. Pourquoi pas euh, mettre un cell euh, à Survivor Series. Là, ils ont fait Wargame je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Après, il faut savoir aussi ce que ce qu'on englobe dans le pay-per-view à thème, parce qu'en soi, si on prend le mot prêt, ben, Royal Rumble, c'est aussi un pay-per-view à thème. Sauf que, bon, Royal Rumble, il existe depuis plusieurs décennies déjà. Donc, dans l'idée, moi, je suis pour qu'on arrête ça et qu'on qu se lâche avec tout. Voilà. Lâchons-nous. Très de ton côté. Totalement d'accord. Je suis complètement pour. Ouais, puisqu'on a vu il y a quelques années, euh, bah, même là, récemment, pour tout ce qui était Extreme Rules, tout ça. Euh, on n'avait pas vraiment de matchs Extreme Rules, en fait. Euh, C'était vraiment des matchs assez basiques. Et en fait, bah, je pensais, ouais, je pense qu'ils il se forçaient un petit peu à, à dire, bon, bah tiens, c'est Extreme Rules, on va essayer de mettre un ou deux matchs par-ci, par-là. Maintenant, ça va faire du bien, puisque hum, s'ils appliquent cette chose, justement, ça va permettre de faire des... Comme on voit avec Survivor Series, là, avoir des matchs de Wargames, euh, comme tu disais tout à l'heure, des matchs à l'inocel qui vont conclure une grosse rivalité. Enfin, il y a plein de choses comme ça, je trouve que c'est un bon moyen d'ajouter bah, un petit peu de fraîcheur un peu dans tous ces, ces PLE qu'on peut avoir. Après, forcément, le Rime Rumble, je pense que ça restera euh, le thème du Rime Rumble, forcément, puisque c'est quand même très très important euh, pour définir les main events, euh, etc. Pour la euh, Mania. Donc, non, je pense que c'est. Moi, je suis complètement pour euh, justement à la fin des, des Premium Live Events euh, à thème. et ben bah, on a quelqu'un qui est contre, hein, et qui n'est pas d'accord avec vous, c'est Hugo. Alors, Hugo. T'attends au tournant là. Hein Allez, pourquoi Dis-nous pourquoi et <laughs> eh bien, tout simplement parce que je trouve que c'est justement le, le fait d'avoir des thèmes, c'est ce qui va apporter cette hype que tu as pour, pour le, pour le pay-per-view. Tu regardes ne serait-ce que cette année Extreme Rules, tu prends la carte sans ces stipulations, sans ce thème Extreme Rules avec des, pour le coup des, des règles extrêmes, à la carte, un Rousey, euh, Liv Morgan, s'il n'est pas en extrême rule, je suis pas sûr que tu aies la même hype que s'il était en, en match simple. Euh, c'est pareil pour, euh, pour le, le Riddle chez euh, Seth Rollins. Euh, tout ce qui est Fight Pit, etc., c'est ce qui apporte... En fait, vraiment, c'est les noms des pay-per-view. Par exemple, on se rappelle à l'époque de tout ce qui était Cyber Sunday, etc., c'était euh, un pay-per-view à thème, et c'était ce qu'attendaient aussi les fans, parce que c'était eux qui pouvaient décider des stipulations, des superstars, etc. Euh, ah, je fais que, que, par comme Jacques. Euh, <laughs> et, et dis-moi Hugo, Hugo honnêtement tu n'as jamais eu depuis 2009 depuis l'existence de l'Inocel, par exemple tu n'as jamais eu pour un Inocel match la sensation de te dire ah là ils ont mis la stipulation parce qu'il faut la mettre mais en vrai il euh, y aurait pas Mais bien sûr mais bien sûr mais c'est comme pour pour tout c'est-à-dire que il euh, y a eu il y a eu forcément des Innocel comme il y a eu euh, bon, des pay-per view exemple son match exemple hein pour le coup mais il y a forcément oui, vrai, en plus. Des... on non, a eu c'est vrai <laughs> Mais je veux dire, c'est vraiment ces thèmes, comme disait Louis, un, un, un Royal Rumble. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu ne veux ne pas garder un PL à thème avec un truc qui s'appelle Royal Rumble, Elimination Chamber, TLC TLC, c'est pareil. Quand tu, tu t arrives, t arrives en fin d'année, bon, cette année, on n'en a pas, mais tu arrives en fin d'année, tu sais que as, tu vas avoir des tables, tu vas avoir des chaises, tu vas avoir des échelles. Tu te dis, waouh, les matchs justement où tu as des ceintures qui vont qui doivent être décrochées, bon les TLC, bah c'est ce que tu attends et tu attends ça à ce Pay Per View principalement, majoritairement. Donc, euh, non, je trouve que, je que ça serait bête d'arrêter ça. Après quel serait l'intérêt de, de faire des pay-per-view euh, sans thème Enfin, je veux dire, euh, Alors, des matchs simples tout le temps, même avec quelques stipulations, je sais pas, il y aurait souvent moins de hype. On ne parle pas de pay-per-view sans thème, où on dit qu'il n'y aurait plus de stipulations du tout. Justement, de oui, Triple H oui. c'est de les parsemer un petit peu et de les mettre vraiment quand il y en a besoin. Donc, ça veut dire qu'on aurait des stipulations un peu tout au long de l'année. Euh, là, là, en plus, on parle... Enfin, C'est vrai que tu as, as inclus euh, Extreme Rules pardon, dedans. C'est vrai que c'est aussi un pay-per-view à gimmick. Euh, on n'a pas eu de news hein, d'ailleurs sur ce pay-per-view. Est-ce qu'il compte ou pas le garder J'en profite avant qu'il disparaisse pour afficher le, le sondage. Ce qu'en pensent les gens. Pour ou contre la fin des euh, premium live events Et c'est trop tard. On a 68% de pour. Euh, donc globalement, les gens sont quand même favorables hein, à, euh, à ces premium live events à thème. J'en profite pour le dire. Hein, S'il vous plaît, les modos, si vous pouvez mettre un petit peu plus longtemps les sondages, comme ça, ça me permettra d'avoir le temps de les afficher. Louis qui veut euh, prendre la main. Qui fait, ah oui. qui, qui fait ça, Jacques Ouais, je vais faire comme Jacques, je vais lever le, le doigt. moi aussi, je lève ma main, du coup, après. On voit la richesse d'un débat parce que, du coup, Hugo, il fait ressortir quelque chose d'intéressant. C'est vrai que, pour une carte, savoir qu'il va y avoir un Elinocel, savoir qu'il va y avoir moline et ça fait vendre. Enfin, moi, je me mets à la place de quelqu'un qui va acheter. J'ai plus envie d'acheter un Paperlou où je sais qu'il va y avoir du spectacle. Après, c'est vrai que c'est aussi maintenant une question de maîtrise. En fait, c'est toute une question de gestion, je pense. S'ils arrivent à mettre. Des stipulations par-ci, par-là, et qu'ils y arrivent à le vendre assez, euh, assez en avance, comme par exemple les War Games de Survivor Series, là, ça peut être bon. Après, euh, à voir. Oui, mais tu regardes la Survivor Series, tu as, euh, as toujours ce principe de match par équipe, c'est juste qu'ils rajoutent quelque chose en plus. Mais, enfin je veux dire, prends, le, prends hein, par exemple le Royal Rumble, mais tu pas le thème Rumble dedans. C'est Royal Rumble et on te met un match de table. Mm. Oh, mais c'est sûr du ouais, de bah, non, mais, mais là, là le rumble, mais... les amis le rumble. mais ça restera le rumble, ça ça changera pas c'est sûr c'est là c'est le mauvais oui, exemple ce... pour le coup là oui mais à ce compte là tu fais pareil pour l'émission Chamber, tu fais pareil pour tlc tu fais pareil pour aline Cell, c'est le, le nom des paper view porte le nom d'une stipulation en fait mais là, ouais, mais... Chambles, par exemple pas bah, summer et tout ça et ça à l'époque ça a déjà, ça, ça marchait très bien tu vois après euh, dans je comprends totalement parce que c'est vrai que c'est ce qui fait vendre quand tu sais qu'il va y avoir telle stipulation après, je pense que dans l'idée de Triple H, c'est de peut-être plus réduire et favoriser la qualité que la quantité. Mais après, c'est toute une question de gestion. Jacques, qui, qui, qui lève encore la main depuis tout à l'heure, le pauvre, il n'a pas encore parlé. Je, je, je laisse débattre. Faut imposer, euh, Jacques, n'hésite hein, okay. pas. Hein. Vas-y! Ouais, je pense qu'il y, en fait, y a une différence à avoir je pense, entre stipulation pour clore et pour euh, une, une rivalité et un match à thème. Parce que les matchs à thème comme le Rumble ou Limited Chamber, ce n'est pas fait pour euh, clôturer une rivalité ou pour intensifier une rivalité. C'est vraiment pour euh, offrir du spectacle, offrir une opportunité en fait, à un catcher. Là, quand tu fais un Extreme Rules, un TLC, un match à table, souvent, c'est pour euh, voilà, clôturer une rivalité, pour mettre du piment, en fait, dans une fête. Là, euh, on peut garder le Rumble et les Chamber et euh, arrêter, par exemple, à NSL, qui, là, c'est un match vraiment assez violent qui sert justement à clôturer, comme disait Triple H, les, les, les grosses rivalités. Et euh, je pense que voilà, il faut faire vraiment la nuance entre vraiment euh, pay-per-view à thème, qui offre vraiment des, des possibilités que des stipulations, ou là, tu en mets partout. Euh, donc, euh, donc voilà. Ça voudrait donc, dire que là, si je vous suis... Ça voudrait dire que, par exemple, à Elinocel, on pourrait avoir un, un pay-per-view Elinocel sans Elinocel match. Ah non, il ah, faut pas faire ça. Mais coups. non, il n'y aurait ah ouais, plus ouais, de Elinocel. Il bah, n'existe plus. Il y a Armageddon, par exemple. Ouais, tu mets Armageddon, tu mets Cyber oh, Sunday, tu mets... Euh, Read Ball of Fire, Thor un bah, un Given, un truc à thème. Ça reste à The thème Sunday. Oui, mais c'est pas pareil, je trouve. C'est absolument pas pareil. Bah, c'est si, un thème, c'est comme problème. le Rumble, tu vois. C'est pas, pas une stipulation. Là, on parle de pay-per-view euh, où, où le thème, c'est la stipulation. Et Jacques, il souligne. Cyber Sunday, c'est le choix des fans. C'est encore autre chose, tu vois. Ouais. C'est Jacques qui tu... souligne. quelque chose d'intéressant. C'est, euh, par exemple, Extreme Rules. Je pense que ça peut être une bonne chose de le garder parce que, bon, moi, de mon point de vue personnel, l'Extreme Rules qui est passé, là, je l'ai trouvé très bon parce qu'ils ont vraiment mis des stipulations à l'intérieur et c'était pas ciblé sur une stipulation. Mmh. Et là, on sait qu'on va y avoir du hardcore, on sait qu'il va y avoir de l'action, etc. Mais c'est plus pour des stipulations comme Alinosel ou où... qu'on parle Emoninze Bank par exemple. On remercie au des passage, des... je... je... excusez-moi, je vous coupe. On remercie Fabiche pour ses 1000 bits qui vient de devenir le nouveau ouais champion chez bits sur Twitch et Undertaker Nissa, qui lui est le nouveau détenteur de la manette. Ouais. Hugo, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'était Victor, pardon c'était Victor, voilà. Victor qui voulait parler depuis tout à l'heure, elle a la main levée là. <laughs> et moi je le vois pas. Alors euh, je rejoins ce qu'a dit Louis puisque on parlait de, de différents matchs, le bon équipe qui était été trouvé à Extreme Rules avec de nombreuses stipulations. Et c'est là que je vais vous apporter quelques stats et ça va peut-être vous, vous changer votre avis sur euh, les pay-per-view à thème. mais il est incroyable. qu'en 2020, au pay-per-view à l'Innocell, on a eu trois matchs à l'Innocell. Jusqu'à là, la logique du pay-per-view à thème est plutôt respectée. En 2021, on a eu seulement deux matchs. Et en 2022, un seul match. Alors, certes, un match de qualité entre Seth Rollins et Cody Rhodes. Avec Cody Rhodes qui enlève la veste, qui monte son énorme hématome sur le pectoral. Mais un seul match pour un, le pay-per-view qui porte le nom. Il y a quelque chose qui va pas et c'est pour ça qu'il faut absolument mettre à fin à ces PLE à thème. Et là, c'est là qu'on dit Hugo, qu'est-ce que tu réponds Bam. à ça <rire> <rire> Il est non, un peu... Pas... Il, le pauvre, il est un peu seul contre le monde, on va s'en tirer. <laughs> <'est ça>. euh... <laughs> non, non, je suis pas d'accord dans le sens où, certes, là, c'est une période qui est comme ça, mais euh, qui vous dit qu'en 2023, ça sera pas l'inverse et qu'on n'aura pas une carte full et Enfin, après, j'exagère, mais le, le, le principe est là. Enfin, je trouve que non, c'est... Je reste sur mon avis. Et là, je répondrais que c'est dommage, tu vois, parce que c'est là, la... Je pense qu'il faut privilégier mettre en, en mettre moins et favoriser la qualité, et je... Je rejoins Victor. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, c'est exact. En fait, ils en ont mis qu'un, peut-être pour faire un match d'une plus grande qualité, mais au final, ben, du coup, ils l'ont mis sur une, un pay-per-view ou ben, pas. De base, c'est à moi d'en avoir plusieurs. Ouais. Là-dessus, ok. Ok, mais je trouve que tout de même, garder ce, cet esprit de pay-per-view à terme. Je... Parce que moi, je me mets dans la tête de, de marketing. J'ai plus envie d'aller à, à un show. Je sais qu'il va y avoir du spectacle et j'en suis sûr et les billets j'ai pas envie de dire bah d'accord typiquement on dit on t'offre des places pour soit aller voir tiens je sais pas on prend tiens soit tu vas aller voir TLC soit Great Ball of Fire bah ça dépend parce que si à Great Ball of Fire on me dit qu'on a la fin d'une putain de rivalité avec un Elinocel match pour conclure la rivalité bah j'ai plus envie de voir ça que d'aller voir un Elinocel match où on va mettre des Elinocel pour en mettre et où les matchs ne méritent pas cette stipulation quand tu non, as... moi, je te parle sans voir pourtant de rivalité, tu vois, genre, juste sur le papier comme ça, avec que... Gridball of Fire, je te prends un pay-per-view, mais ça peut comme être... Comme par hasard, sais, tu, tu prends celui-là, en plus, c'est un genre... <laughs> euh, t'as pas, pas pris le meilleur, on va Alors, pas se mentir, C'est le genre de, de, de pay-per-view où t'as rien, quoi. Et, et en fait, c'est un pay-per-view thème. Quand tu, tu achètes plus, des... Quelques mois à l'avance, donc t'as pas forcément une rivalité ciblée, en plus, quand tu les achètes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai pas envie de dire... Mais tu t'achètes il y a 5 mois, donc 5 mois tu sais pas s'il va y avoir un sel ou tout ça, tu vois. Enfin, moi mais... je me mets dans la tête d'un acheteur, j'achète pas C'est là où on voit que Triple H, lui, il, il, il pense à la qualité de ses shows et de ses rivalités, etc. avant l'argent. Ouais. c'est honorable. Non, mais c'est bien. Bien sûr. Puis ça manque, enfin, si jamais on doit attendre le pepperview pour avoir des TLC, etc., par exemple, bah t'as un an à attendre, c'est comme les monnaies des mecs. C'est un peu chiant. L'idéal, c'est vraiment de parsemer justement tout au long de l'année, en fait. Ces matchs-là, pour donner du, du piment, en fait, quand tu as, as un pay manque, view où, où ça manque, ou tu sais que les rivalités en ce moment, c'est pas top, Maro, par exemple, tu sens que le show, il est, il est, il est bas, tu fous un TLC à la fin du match, par exemple, pour vraiment marquer le, le coup, bah, ça va peut-être sauver le show, tu vois. Que là, tu dois attendre un moment à le pay per ou TLC pour voir demain, un match TLC, ou etc. Donc, euh, limite, il, le pay-per-view ne sert plus à rien dans ce cas-là. Non, pas forcément, parce que ça ça t'empêche pas d'avoir un six un Match à SummerSlam, ou comme tout à l'heure il disait disait Louis, avoir un animation chamber à SummerSlam. Rien n'empêche euh, bah, du coup aussi. le nom view ne sert plus ne sert plus en fait. Du coup le nom du pay-per-view ne sert et plus. Si. Ben, si, parce que c'est ce qui va faire vendre et ce qui va et c'est ce qui va donner ta 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 hype du show. C'est... Enfin, on en revient toujours au même, enfin je veux dire, euh, je crois, enfin, j'étais mille fois un billet pour euh. Pour TLC ou El que pour euh... Pff, ouais, Je reprends Gable of Fire, mais il y en a plein d'autres. J'ai pas des noms en tête, mais enfin... Non, moi je, je raisonne pas comme ça du tout. Non, mais c'est ça qui est intéressant les gars, hein. c'est que per personne oui. n'a raison de toute façon, c'est le principe d'un débat, hein. personne n'a raison. Et c'est bien de confronter les avis parce que voilà, Hugo il a des points quand même où je trouve il a raison. Il a raison. Ah, oui. C'est euh, vrai que les pépardois à aussi c'est attirant. On a, on a vu Mais le go. Ah Victor Victor y a il, un petit il, il retourne au, au combat Victor <laughs> Tu m'as dit que ça donnait une hype de voir des combats Linecell, etc. Si t'avais acheté ton ticket pour le Linecell 2022, t'as juste un match Elinecell en main event. Tu l'as pas aimé c'est Linnocel 2022 toi. <laughs> ouais c'est. <laughs> Mais t'as qu'un seul match. Qu'est-ce qu'on oui, fait Bidec. Non mais d'accord, mais comme disait Louis, les billets, tu ne les achètes pas par un billet typiquement, bon c'est WrestleMania, mais tes billets de WrestleMania tu les prends six mois à l'avance et tu sais pas le match qu'il y aura, certes c'est WrestleMania, mais même n'importe quoi, euh, tu prends euh, ce, ce Survivor Series, c'est sorti en juillet. Qu'est-ce que tu savais déjà qu'il y allait avoir un Wargame Quels étaient les superstars T'en savais rien. Les, les matchs, t'en savais rien du tout. Tu prends tes billets, non pas... En fait, c'est ça, tes billets, tu ne les prends pas, non pas pour les, les matchs parce que tu ne les sais pas, mais parce que c'est justement un pay-per-view à thème et tu sais qu'il va y avoir telle stipulation dans le pay-per-view. C'est pour ça que tu prends tes billets. Mais une seule fois. <laughs> euh, J'ai jamais de ouais. <laughs> savoir. On pourrait se couper la tête et on pourrait se dire ben, maintenant, il n'y a plus de pay-per-view à thème, enfin de PLE, et on pourrait se dire, oula, là je prends mes places, peut-être qu'il va nous réserver quelque chose d'incroyable, ah, mais ça c'est une surprise. Ouais, non, mais imagine, tu prends une place, tu la payes 500 balles et tu te fais carotte avec un Herchouse, euh, voilà. euh, je je sais pas quel euh, gars euh, en match en vrai, tu pleures. Soit tu adores, soit tu... tu détestes. Et... Tu cherches les ouais. pires exemples quand même, Hugo. Hein, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pour, pour être gros, enfin, grossièrement, parce ouais. Après, s'il faut attendre les pay-per-view à thème pour, pour, les, pour prendre sa place, bah, c'est un peu dommage quoi, Parce que vraiment, si jamais tu n'as plus de pay-per-view à thème, bah, justement, tu prends ta place limite pour chaque pay-per-view. Parce que tu dis à, à tout moment tu peux avoir un match à stipulation en plus mmh. sur la carte. Ouais, mais regarde, typiquement, toi t'as... Enfin... On en revient toujours au même. Billets, euh, non, mais je veux dire, au mois de mars, t'as No Merci, je dis une connerie, et au mois d'avril, t'as uh, Animation Chopper ou elle peu importe. Bah. Je suis désolé, mais No Merci, ça fait pas. Ça fait pas bander. Bon, ouais, je vois ouais, qu'on. Ah, je vois qu'on arrivera. Une... Vas-y, Jacques, Jacques il veut retourner au combat. Hein. Il non, voulait. voulait mais... mais, À part ça, si jamais. Tu as une grosse feuille justement juste avant, euh, nos merci. Tu sais qu'un mois avant, tu as une rivalité qui est vraiment sanglante, etc. Tu te dis bah, au prochain paper ils vont mettre une stipulation. En ce cas-là, tu as envie de suivre en fait, ça. Que... Et les Mitch Chamber, ok, tu sais qu'il va avoir la cage, mais bon, tu vas te dire, bah oui, ça va être sympa à voir. Mais qu'est-ce qui te hype le plus Est-ce que c'est un, un match où voilà, tu as des catchers qui n'ont pas vraiment de, de fond derrière, tu n'as pas d'histoire, c'est juste des catchers qui vont avoir l'opportunité, et puis tu as la cage, donc c'est cool. Ou un, un match où tu as une stipulation pour clôturer justement une, une rivalité que tu as suivie pendant des mois, où tu as envie de voir vraiment la conclusion. Quoi. Bah, euh, ça c'est à voir encore, hein, parce que quand je prends un, un exemple tout récent en date, le Rollins-Riddle. Euh, t'as pas eu un match euh, à stipulation tout de suite, hein. ils t'ont calé un petit 1v1 avant d'avoir le fight pit, hein. donc euh, tu peux te faire carotte de cette façon aussi. Hein. Hmm. Bah, regarde, après t'as eu le Cronjoul, t'as eu le 7 Rollins contre Edge en NSL. Franchement, euh, ça fait plaisir de, de voir ça sur la carte. Et au final, euh, t'as le Paper View derrière et NSL, bah, tu retiens peut-être moins limite le Paper View in NSL que le, enfin, le, que le NSL en lui-même avec Edge et puis Seth Rollins. Oui, après, ça dépend. Pas convaincu. Hein. D'ailleurs, c'est la question ouais. que je vais vous poser sur le chat. Hein. Est-ce que Hugo a été convaincant ou pas Il est seul au monde. <rire> selon <rire> vous, a-t-il été convaincant Oui, bien évidemment. <laughs> ou non. D'ailleurs, les chroniqueurs, hein, j'enlève vos pancartes. Votez oui ou non. Est-ce que selon vous, Hugo a été convaincant On va voir s'il y en a qui, qui ont trouvé qu Hugo s'est bien défendu quand même. Mais bien sûr. Pendant ce temps-là, je vais remercier moi euh, Fabiche, hein, qui est devenu. Le nouveau Beats Champion, mais également le nouveau détenteur de la mallette, puisqu'il a, a offert pas moins de 10 subs. Merci 10 beaucoup, subs. mon Fabiche. 24 subs dans la mallette. Merci beaucoup. Euh, alors, qu'en pensent les chroniqueurs Est-ce que Hugo était convaincant J'ai hâte de voir le résultat. Euh, je vais voter moi aussi, tiens, avant d'afficher. Hop, euh, est-ce qu'il a été convaincant <laughs> Ouais. Ouais, on, est, on, est, on est gentil quand même hein. On est gentil Je trouve que oui Hugo a quand même des bons arguments Louis aussi, Jacques aussi Par contre Flavien, Victor Non mais alors vous deux euh... non. non elle avait des bons arguments Les hommes pas les j'avoue. Oh. <laughs> alors maintenant Hugo qu'en pense le chat Est-ce que tu as été convaincant ou pas Bien évidemment j'en suis certain. Il y a déjà un premier nom hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais c'est vrai, sur le chat déjà, euh, c'est non. Hein. Et le résultat, Hugo a-t-il été convaincant Oui à 58% Alors, assuré Ouais, Victor. Écoutez les amis, je vous propose de clôturer ce débat hein, parce que là on va tourner un petit peu en rond et je vous propose de passer à la séquence que on vous a teasé tout à l'heure. On l'attend tous, hein, je vais pas vous mentir. Hein, les chroniqueurs, je pense qu'on est tous d'accord. On attend oh oui. tous cette séquence depuis tout à l'heure. C'est la séquence WrestleFact, Fact. Vous allez voir de quoi il s'agit. C'est parti. On envoie le jingle et on va laisser Jacques nous présenter cette petite séquence. Prépare-toi, Jacques. Hein. Moi je t'attends au tournant. Hein. Moi je veux tous les détails. Allez, Allez. c'est parti Ressent fact avec une fact sur Money in the Bank. On s'est dit que c'était un petit peu le thème. Hein. On a parlé du cash, de la mallette, de théorie. C'était un petit peu le débat aussi avec la fin des premium live event à thème. On s'est dit qu'il fallait une fact en rapport avec tout ça. C'est Jacques qui va nous la présenter. Il paraît qu'elle concerne Edge. Alors, Jacques, on t'écoute pour la fact de la semaine. Alors, pour cette petite news. <laughs> Alors, si je vous dis, déjà, si je jamais je vous dis, Monique Zemenc, vous pensez à quel catcheur Aussi Merci, de penser à ces juste pour un plaisir. <laughs> ouais, ça commence déjà à ramer ses verres, je trouve. Hein. <laughs> Pour tout à lui, à Edge. Et pourquoi En fait, et pourquoi en fait euh, depuis sa création en 2005, euh, le pay-per-view a impliqué Edge. De 2005 à 2010, je ne parle pas des des pay-per-view à thème, hein, des money's'back, ça c'est encore à part. Mais entre 2005 et 2010, Edge a été appliqué en fait, sur chacun des caches. Donc déjà le premier, donc Krijaneko a lancé l'idée. Euh, lors de son podcast euh, pour le pour le match, donc euh, la création du Moneyz Bank. et c'est Edge qui a remporté la première édition. Et en plus de ça, il faut savoir que la première édition euh, c'était réservé que aux membres d'Euro. Euh, les membres de SmackDown n'avaient pas le droit en fait de participer au prochain au premier euh, Moneyz Et hey, n'empêche, première info, il a bossé, hein, parce que moi-même ouais, j'avoue mais... je le savais pas. Ouais. Et ouais. le dernier. Et le dernier euh, cash, du coup, euh, était en 2010. Enfin, je ne parle pas des pay-per-views à thème, hein, vous bien compris. Donc là, en 2010, c'est le dernier pay-per-view, enfin, le dernier Money in the Bank euh, caché, donc Jack Swagger, qu'il a fait sur Chris Jericho, donc SmackDown d'après Mania. Et il y avait Ed, justement, euh, lors du segment avec Chris Jericho. Donc Edge a, a, a conclu cette belle période et aussi euh, participé à la toute première création et au premier vainqueur de Money's Bank. Voilà. D'accord, c'est tout. Je pensais que tu avais bossé, euh... Jacques. Oh, le pauvre. Non, il y a autre chose à dire, j'ai oublié. Victor, Victor, je te sens chaud là, Victor. Bah écoutez. Euh... L'interro surprise L'interro surprise À vous qui t'y attendais pas hein. Bah par exemple, on peut prendre l'exemple le, bah, de. C'était euh, No Way Out 2006, si je ne me trompe pas. Euh, Vince McMahon débarque. C'est lui l'un adversaire pour John Cena. Et qui débarque Edge accompagné de Lito, et c'est le cash -in, Et Edge devient champion du monde. Tu l'avais pas, Jacques, si, 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 mais je voulais te laisser parler. <laughs> cette mauvaise foi. Incroyable. <laughs> euh, Est-ce qu'on en a d'autres des exemples Donc, on a, on a cité lesquels On a cité le premier. On a cité, euh, du coup, le deuxième. Euh, parce que. Non, le deuxième, c'était euh, Rob Van Dam, euh, Il était impliqué dans la fin du match avec euh, Rob Van Damme lorsqu'il a encaissé sa manette. à 23, c'est Mr. Kennedy. Mr. Kennedy qui va perdre sa manette ensuite au détriment de Edge. C'est le cash que vient d'évoquer euh, Victor. On a WrestleMania 24, c'était CM Punk qui avait remporté la mallette. Euh, CM Punk qui vient encaisser sa mallette à euh, quelques semaines, je crois, euh, après WrestleMania, pas longtemps après, euh, suite à euh, une attaque de Batista sur Edge. Donc, encore une fois, Edge était impliqué. WrestleMania euh, 25, euh, c'était CM Punk le champion. Et euh, je crois qu'il est encore impliqué parce qu'il est dans une fin de match avec euh, Jeff Hardy, si je ne dis pas de bêtises, hein, ouais. c'est ça, euh, l'ador mm -hmm. match. Euh, ensuite, WrestleMania 26, c'est Jack Swagger qui va encaisser sa mallette sur Chris Jericho après une attaque de Edge à SmackDown, euh, et c'est tout. Voilà, on les a tous cités. Donc jusqu'au dernier Money in the Bank qui a eu lieu à WrestleMania, avant que le pay-per-view existe, Edge a été impliqué dans toutes les fonds de match. Incroyable Eh oui. Honnêtement, on a parmi et les bon. chroniqueurs, qui avait la, qui avait cette statistique avant le, le programme de ce soir Eh bien pas moi. Absolument Merci. personne et c'est ça les... qui c est intéressant voir. dans le fact. par contre Jacques honnêtement euh... faut, que tu... faut que tu bosses hein. que tu bosses oui non, mais... oui oui bah, il <laughs> pas tout en tête sur les, sur les... Sur les... Sur les participations mais euh... mais ça ça savais pas un poro hein, au début hein. voilà. ouais c'est vrai, <laughs> vrai. rattrape-toi ouais. on peut rajouter également un petit Dressel Fact. c'est quand même un moment historique euh, on est au lendemain euh, quand même du euh, fameux Montréal Screwjob Job. Hein. Au lendemain. Ah oui, aujourd'hui Ouais, on est sur le fameux avec le fameux euro où toute la foule scande des We Want Bread, We Want Bread, et devant Shawn Michaels qui se fait mais désingué devant le public canadien. C'était il y a combien de temps On était sur... Alors je sais pas bon quel. C'est 25 ans tout pile. 25 ans, En 97. 97, 97, tout à fait. Eh bien merci Hugo qui euh, lui euh, n'a pas travaillé mais euh, a une bonne mémoire quand même. Hein. Bravo Hugo. Ouais, Alors... Je vous avoue que j'ai vu ça sur, euh, sur euh, les réseaux ce matin. Non ouais. ah, mais toi par contre t'es vraiment un mauvais faillot hein, parce que là euh, clairement euh, <laughs> je te félicite mais euh... l'honnêteté honnêt... avant tout. Ah c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et <laughs> eh bien ceci étant dit les amis, on va passer sans plus attendre à la prochaine séquence. Euh, avant ça... Je remercie quand même Undertaker Nissa06 qui a offert un sub de niveau 1 à STurie. STurie qu'on embrasse qui nous a fait une petite pub d'ailleurs sur Twitter. Je le remercie. Hein, il ne faisait pas de, de live ce soir. Il a envoyé ses viewers vers nous. Donc euh, franchement, merci beaucoup STurie. En attendant, je vous propose de passer à la prochaine séquence. On approche déjà de la fin de cette première édition du podcast. Mais avant ça, faisons un petit point quand même sur le prochain épisode de SmackDown parce que... On a quand même de belles petites choses d'annoncer. On va y revenir ensemble, notamment une Coupe du Monde. De quoi s'agit-il On va en discuter. C'est parti pour la SmackDown Preview. Comment cette SmackDown Preview avec le début de la Coupe du Monde Je vous laisse voter un ami chroniqueur. Est-ce que selon vous cette Coupe du Monde qui devrait mener à un match pour le titre intercontinental est une bonne ou une mauvaise idée euh, Donc en gros, hein, je vous laisse voter Top Flop. Je vous laisse choisir vos bonnes pancartes. Euh, pareil sur le chat, hein, on va vous lancer un petit sondage. Est-ce que le début de la Coupe du Monde est une bonne ou une mauvaise idée N'hésitez pas à voter sur le sondage qui va apparaître dans quelques instants grâce à nos amis Modo. On va donner la parole à qui hein Déjà, est-ce que tout le monde est d'accord Ah oh, mais c'est pas possible C'est pas oh, possible mais non. Il en fait exprès <laughs> Bon, alors les gars, les gars, qui veut se confronter Qui veut se le faire En gros, qui veut se le faire en premier il y a personne. En, en gros, Hugo, tu les, bon, les as. Et le hey, ah, Jacques, ja hey, je sais pas ce que vous en pensez, Jacques, je le sens bien. Jacques, allez, il a l'air ouais, chaud. Jacques. Allez, Jacques, allez, <laughs> uh, uh, fight. Alors, Hugo, dis-moi tout. <rire> alors, <rire> Hugo. <laughs> non, alors ah, moi ouais. je suis contre. Je, suis, je trouve que c'est un flop dans le sens où. Euh, alors. Entre nous, enfin, entre le chat, entre tout le monde, remémorez moi un trophée à la WWE qui a eu une grande importance. Euh, si ce n'est du côté des Nexti, il euh, n'y a pas eu grand-chose qui a eu euh, qui a eu beaucoup d'importance en, en, en termes de trophées. Et je trouve dommage, en fait. Bon, certes, on est dans le thème. C'est vrai que c'est cool dans le sens où on est dans le thème de la coupe du monde, le foot, etc. C'est grave populaire. Ça, ça, fait ça fait c'est bien, ça fait marcher. Mais je vois pas trop l'intérêt. En fait, le problème, c'est que ça va vite tourner en rond. Vous allez mettre, si vraiment le thème, c'est Coupe du Monde, vous allez prendre un membre mexicain de, euh, avec, du, du clan avec Zelina Vega, vous allez prendre Shiskena Kamura, vous allez prendre qui Kevin Owen, un américain, et après qui Il oh, y a vous en a beaucoup prendre quand même. Giovanni, euh, Giovanni Vici, euh, qui, est, qui est italien, je crois. Euh, certes, vous allez pouvoir faire ça, mais enfin je veux dire. Euh, non non, je trouve qu'il n'y a pas besoin de ça pour euh, emmener un match euh, pour le titre intercontinental. Certes, c'est sympa dans le sens où voilà, c'est le moment. Ça, pour le coup, ok. On est dans le, dans le thème. Mais ouais, je, je trouve pas ça forcément utile. Louis, qui veut réagir Alors, Moi, quand j'ai vu, je ne savais pas hein, avant de travailler sur le programme un petit peu. Euh, quand j'ai vu cette idée de Coupe du Monde, je ne savais pas trop ce que c'était. Et du coup, bah, j'ai creusé. Donc, au final, c'est des catcheurs de pays différents qui vont s'affronter. Et euh, je Franchement, je pense que c'est pas là pour être révolutionnaire, c'est pas un King of the Ring, c'est d'avoir tout ça. Et euh, moi, je ne vois pas forcément euh, mal, parce que je me dis que déjà de un, ça peut mettre en lumière la richesse du catch international qu'on a aujourd'hui. Et à la WWE, ça rassemble quand même beaucoup de pays différents. Donc, pour mettre ça un peu en lumière, même si on le sait déjà, pourquoi pas Et peut-être un petit peu, ça peut servir aussi un peu de dynamisme, quoi. On a peut-être un petit peu d'envie de voir donc voilà. après c'est pas non plus c'est pas s'attendre à un truc incroyable mais euh, je trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée à voir comment c'est comment fait Allez ouais. Fl Flavien je te <laughs> laisse te faire Hugo I... <laughs> Allez Non en vrai moi je trouve que en fait le nom World Cup je pense qu'ils l'ont vraiment utilisé pour surfer sur la vague de la coupe du monde de football qu'on a aujourd'hui et moi je trouve ça en fait hyper intéressant puisque du coup comme Louis a dit ça va être plusieurs superstars d'origine différentes qui vont se se battre pour avoir une opportunité pour le titre Intercontinental, si c'est bien ça. Et en fait, je trouve ça intéressant, puisque euh, moi, tout ce qui est number one contender euh, concours, enfin, ouais, concours number one contender, je trouve ça pas hyper intéressant comme chose, tu vois. En fait, moi, je suis pas, je suis pas friand de ça. Là, je trouve que c'est plutôt intéressant de dire World Cup. Euh, c'est vraiment un truc, bah, ça va donner envie de regarder, comme si on regardait le foot ou les choses comme ça. Donc, en vrai, je trouve ça plutôt pas mal. Euh, c'est un bon moyen de dissimuler un peu le nom de... Euh, bah, concours justement pour aller chercher un titre pour un number one contender, donc euh... non, en vrai, je trouve ça euh, plutôt intéressant. Quoi. On va avoir des matchs, euh, je pense, hyper, hyper euh, cool à voir. Il euh, y aura différents styles de catch qui vont être mis en avant et peut-être euh, permettre à des superstars qui sont pas forcément euh, sur les écrans aujourd'hui bah, d'être en avant et puis euh, d'être push un petit peu. Quoi. Donc euh, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. En soi, en soi sur le, le, le système de, de Coupe du Monde, l'idée de Coupe du Monde, moi, je, la, je trouve ça génial, c'est pas le problème. Je trouve ça vraiment sympa, c'est dans l'air du temps, c'est l'actualité, etc. Ça, c'est pas le problème. C'est plus l'idée de tournoi en fait. Pourquoi refaire un tournoi pour... Euh, au final, on en revient au même, c'est pour définir un, un prétendant numéro un. Alors que je pense qu'il y a peut-être sûrement d'autres bonnes façons de, de construire quelque chose autour de Gunther. Euh, là, on a vu avec Grey Mysterio. Euh, forcément, bah, ça ne s'est pas forcément bien terminé, ça s'est pas étendu sur la durée. Mais je trouve qu'il y aurait eu peut-être matière à faire euh, avec, euh, avec une construction autre qu'un qu tournoi. Mais certes, oui, c'est génial, c'est dans l'air du temps et ça va ouvrir des portes et donner des, 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 des possibilités à, à des superstars qu'on n'a pas l'habitude de voir, ça c'est sûr. Mmh. Et ben, bah, tu viens d'employer le terme qu'on n'a pas l'habitude de voir et moi je suis pas d'accord avec toi, les tournois, on n'a pas l'habitude d'en voir, on n'en voit pas tous les 4 matins. Quoi. Moi je trouve que c'est une bonne manière justement. Puis en plus, ils ont pas évoqué le terme tournoi, hein, je crois pas. Ont... Si, je... si je crois que c'est World Cup Tournament, je crois, un truc comme ça. Ah c'est Tournament, euh, j'ai même pas ah, fait je gaffe, je bah, attendez on a le visuel en plus, Donc, bah, je crois que c'est écrit ouais, dessus. Non c'est juste écrit World Cup. Hein. Ouais, World Cup, bon écoute, Donc, je, je ne sais pas comment ça va se passer, euh, bon il y a des chances pour que ce soit un tournoi, on va pas se mentir quand même, mais euh, je, je trouve, je trouve euh, voilà, pour revenir à ce qu'on disait Hugo, que c'est pas quelque chose de très courant, et euh, moi je trouve que c'est une plutôt bonne idée, pour donner mon avis euh, rapidement. Euh, voilà, en plus, euh, voilà, qui, qui joue sur... C'est idées une mauvaise idée, attention non, mais tu dis qu'il y avait, avait d'autres manières de, de trouver un challenger pour Gunter. Euh, moi, je trouve que, mmh. que c'est une plutôt bonne idée. Effectivement, ils, ils vont surfer un petit peu sur la vague de la Coupe du Monde qui approche. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée non plus. Ça va permettre de mettre en avant un petit peu toutes les nationalités à la WWE. C'est bien aussi hein, de montrer que voilà, il n'y a pas que des catcheurs américains à la fédération. Ils vont mettre en avant les nationalités des catcheurs. C'est pas forcément déconnant non plus. Donc, moi, perso, je, je suis assez pour. Effectivement, ça aurait été pour remporter, comme tu disais en intro tout à l'heure, Hugo, une histoire de trophée sans importance. Là, ok. Là, la clé, c'est quand même un match pour le titre intercontinental. Je trouve que c'est pas rien. Hein. Personnellement, je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Euh, qui on n'a pas entendu encore euh, Victor, je crois, on n'a pas entendu sur le sujet. Je ne me trompe pas. Victor. C'est ça. Alors oui, euh, c'est une bonne idée puisque, comme on l'a dit précédemment, ça va permettre de mettre en avant euh, les différents pays, les différents styles de catch. Et on sait que le catch européen euh, à la WWE, des fois, c'est un peu difficile. Mais là, le règne de Gunther, il est, il est vraiment très solide. Et j'ai assez, assez hâte de voir euh, qui va aller le, le challenger. Et j'espère que c'est Shinsuke Nakamura qui va aller le, le titiller. T'as réellement envie de revoir Shinsuke Nakamura, champion des États des intercontinentales alors j'ai ouais, pas dit qu'il allait être champion intercontinental, mais au moins voir un beau match à l'ancienne. J'aime beaucoup ce que fait Nakamura, mais réellement, enfin, le, le dernier règne qu'il a eu, le pauvre, ouais, après avoir après, après, hein. avec H au pouvoir. C'est vrai que je, je suis pas sûr que Shinsuke, Shinsuke Nakamura ait été longtemps dans le cœur de Vince McMahon. C'est peut-être ça aussi le souci. <laughs> Non, mais c'est vrai, soyons clairs. Peut-être que, voilà, on sait que Triple Edge, pour le coup, Shinsuke Nakamura, c'est un, un de ses poulains quand même. Donc, euh, peut-être qu'il y a moyen d'espérer mieux avec lui. Faut, faut peut-être pas rester sur ses derniers règnes, et, parce que je suis d'accord avec toi. Hein, c'est vrai que les, à chaque fois que Nakamura a été champion dans le roster principal, c'était une catastrophe. C'était ennuyant à mourir. Il a aucun règne mémorable. Le, mais. Le, euh, le problème avec Nakamura, c'est que je trouve qu'il a un personnage relativement répétitif, mais c'est pas de sa faute, hein, c'est vraiment son personnage. Et c'est vrai qu'on peut pas non plus lui donner tout le temps des titres parce que ça devient vite réberbatif en fait. Donc c'est un peu... Après il a un style de catch ouais oh, je suis d'accord mais. Tu parles du personnage. Ouais mais bah, même le personnage, toi, il avait il a toujours eu ce personnage, même au Japon, etc. Ça fonctionnait bien. Les, les gens quand ils l'ont vu arriver à la WWE, ils étaient vraiment à fond derrière, ils trouvaient ça génial. Donc non, je, je pense que son personnage c'est pas vraiment le problème. Je pense que c'est la manière dont il a été utilisé. Il a eu des rivalités très plates. Il a eu, quand il était champion intercontinental, longtemps, il est resté sans défendre son titre. Il n'y avait aucune défense et c'est ça qui l'a vraiment enterré, je pense. Euh, le sondage, les amis. Euh, que pensent les gens de cette World Cup euh, Je vous rappelle que vous pouvez encore voter, hein, les amis. Et ben, on est sur du 80%. Pour une bonne idée, hein, donc Hugo, euh, décidément, euh, clairement, les gens sont pas derrière toi ce soir. Hein, tu... bah, je peux pas vous battre à chaque fois, les gars, Faut pour moi, que je vous laisse un petit peu de chance quand même, non <laughs> ça, y <est. rire> ça y est, ça y est. <laughs> on passe désormais au point suivant, les amis. On va parler euh, désormais du New Day, qui euh, tourne encore une fois autour des titres par équipe. Alors, on, on parlait de choses répétitives à l'instant. Là, je pense qu'on va pouvoir en rediscuter, hein, clairement le New Day contre les Ousso c'est clairement la rivalité de cette dernière décennie du côté euh, par équipe hein. On... je, je ne sais même pas si quelqu'un a la statistique du nombre de matchs et du nombre d'affrontements entre les deux équipes mais ça doit être monumental euh, ils sont encore une fois en direction de l'or il y aura donc ce match de championnat à SmackDown votre avis sur cette rivalité est-ce que vous en avez pas marre de ce match entre les deux et puis pendant qu'on y est votre petit pronostic qui veut prendre la main vas bah moi je suis super chaud pour l'idée ils vont vous faire que des bons matchs franchement tu mets euh, New Day Ouzo. tu sais très bien que tu as passé un très bon moment entre les deux équipes parce que c'est limite un peu le les opposés. Hein, quand les Ouzo, ils sont ils ils sont excellents à côté New Day ils font rire c'est vraiment l'opposé en fait extrême entre les deux et ça il y a une bonne alchimie entre les deux équipes donc c'est vraiment excellent et en plus de ça ça rend un petit côté spécial parce que je crois que là si jamais les Ouzo... Euh, battent les New Day. Alors, en plus de les battre, ils vont battre en fait leur record, le record du plus long règne qui est détenu actuellement par le New Day. Donc ça a bien un petit enjeu en plus et euh, ça va être excellent. Pour moi, euh, je suis jamais déçu, jamais été déçu par un match entre les deux équipes et euh, je suis très content en fait qu'on se match là Vraiment, je suis très content. Flavien de ton côté. Ouais, bah moi j'en rejoins un peu ce que dit Jacques. Euh, J'avoue que à force en fait de voir le New Day contre les Ousso euh, j'en ai un peu marre. Euh, je vais le voir. Après je sais que enfin je dis pas que qu'ils des mauvais matchs ou quoi mais euh, euh, en fait le problème que j'ai c'est euh, que bah, en fait le new day ils sont souvent mis en avant un petit peu genre en mode c'est la team qui va détrôner euh, les titres et puis euh, qu'au final bon bah il va rien vraiment se passer quoi mais euh, non en vrai je trouve ça intéressant et puis en plus le new day ils ont une sacrée histoire euh, contre les Ousso, donc euh, pourquoi pas hein. mais euh, moi, bon, ouais, je, 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 je suis pour, mais euh, bah, sans plus, quoi. Sans plus. Ben j'ai ouais, bah, écoute, je vais enchaîner parce que moi, je te rejoins un petit peu. Euh, je trouve effectivement que c'est à chaque fois de, de très bons matchs. Euh, Là-dessus, je peux pas le nier. Je suis entièrement d'accord avec vous. J'ai mis flop parce que personnellement, j'en ai marre de voir toujours la même chose autour des titres. Vraiment, c'est euh, Ok c'est très bon mais euh, voilà il euh, y, y a quelques années on nous, on nous mettait pas du Undertaker Shawn Michaels toutes les semaines parce que c'était très bon quoi. Euh, clairement euh, au bout d'un moment je pense qu'il est temps d'essayer de, de construire de nouvelles équipes, euh, de ne pas s'appuyer sur ses acquis entre guillemets et de voilà essayer de, de faire en sorte de construire une division féminine qui est performante avec de nouvelles équipes. Voilà euh, des fois ça peut être une équipe euh, je peux reprendre... Euh, Franchement, et un exemple, Cesaro Sheamus, par exemple, ça a été une très bonne équipe qui est partie de rien. Euh, des fois, voilà, on peut prendre vraiment deux captures totalement posées, les mettre ensemble, ça fait une équipe, et une équipe qui va durer dans le temps, qui va nous offrir de très bons matchs. Et j'aimerais euh, qu'on ait ça du côté de SmackDown. Et je l'ai lu dans le chat tout à l'heure, on va, on va pouvoir en reparler euh, tout à l'heure, mais c'est clair qu'aussi, l'unification des titres, ça faut arrêter. quoi. Franchement, euh, autant séparer les titres. Euh, j'aime beaucoup les Ouzo, j'aime beaucoup la Bloodline. Mais C'est vrai que là ça commence à être un petit peu long, je trouve personnellement. Louis, je vois que tu as envie de t'exprimer. Ah, pas du tout. Bah, pas du tout. Oh, fait... bah, je, je vois très mal alors. <laughs> et je réagis en fait. Donc, euh, c'est brillant, encore une fois, ce que tu dis, euh, Axel. Et Vraiment, je, euh... je crois que là, très clairement, on a le faillot de la classe. Là, et... <laughs> Ah, parce que je dis quand même en off, hein, Louis avait quand même honte de dire à ses camarades qu'il était le seul qui avait préparé quelques fiches hein, pour l'émission. C'est clairement le faillot de la classe. Regardez, euh, ouais. <laughs> avec les couleurs et tout. Hein. Il l'a pas. On a également Jacques hein, qui essaye de faire le faillot, mais ça marche un peu moins bien. Hein. Jacques. Euh, <rire> <rire> pas du tout, hein. <laughs> pas du tout, pas du tout. Ouais. Il a essayé de préparer un truc, hein, mais. Ouais. Mais la semaine prochaine, ce sera mieux. D'accord, et eh, vous avez entendu, les amis. Se... D'ailleurs, hein, on le reprécise, ah, mais il le... A... Ouais. le podcast, c'est toutes les semaines, les amis. Hein. Donc rendez-vous jeudi prochain, 21h sur Twitch et en rediffusion sur YouTube pour ne pas manquer surtout la Wrestle Fact de Jacques. Et là, il, il a promis qu'il allait bien à travailler. On a hâte de voir ça. On a hâte. <laughs> euh, donc, euh, pour conclure très rapidement, et après, on va passer au dernier point de cette preuve de SmackDown. Euh, que pensez-vous de, de cette rivalité, euh, de, de ces, cette unification pardon, de ces titres euh, par équipe de SmackDown Est-ce que selon vous, c'est pas dérangeant On peut continuer avec, ou est-ce que vous avez, de votre côté, vous aussi, hâte de voir la séparation de ces titres Hugo. Ah, c'est pas dérangeant. Pas dérangeant. C'est pas dérangeant, non, parce que je trouve que justement, c'est tout comme le titre mondial, euh, c'est pas dérangeant dans le sens où c'est bien utilisé. Enfin, je veux dire, j'ai autant règne sur une période, je m'en laisse un petit peu, autant là. J'arrive pas à m'en lasser du gars, et de la Bloodline j'arrive pas à m'en lasser, je suis content de les voir, en plus ils rajoutent à chaque fois un petit truc là en ce moment avec Samizane c'est juste fantastique, enfin je trouve que moi j'arrive pas à m'en et, et justement qu'on ait ce clan qui monopolise tout, moi ça me dérange pas, et je pense que c'est pas ça qui ferme forcément des possibilités, autant sur le côté titre mondiaux, ok. Ça ferme de nombreuses portes, mais sur le côté team euh, je suis pas certain parce qu'on sait qu'avec Zayn et euh, et, et, et c'est un peu euh, voilà euh, chien et chat. Euh, tout, on peut encore avoir les Nudel là comme on a actuellement pour enfin moi les Nudel ou Uso, j'adore les affrontements et c'est de la valeur sûre. Euh, non, je pense que ça ferme beaucoup moins de portes d'avoir des titres unifiés par équipe que les titres mondiaux. Donc euh, non, c'est pas quelque chose qui me qui me dérange au contraire. Je suis plutôt, euh, je trouve ça sympa. On a Flavien qui visiblement a l'air d'être d'accord avec toi. Ouais, totalement. Moi, je, je suis carrément pour euh, cette unification des titres là. Euh, parce qu'on nous a bien montré la, do la domination un peu de, de la Bloodline. Et puis moi, je trouve que ça donne encore plus d'importance euh, justement à ces titres là. Parce que en fait, les titres par équipe, euh, quand il y une équipe qui gagne, bah, souvent on n'a pas forcément de. On est ouais, bon, ouais, c'est cool. Tu vois, si c'est ta team que tu kiffes, bah, forcément, tu vas être super content. Mais quand tu es un peu lambda comme ça c'est sans plus quoi et là vraiment je pense que le jour où il y aura aussi un ça sera comme Roman quoi là ils sont invincibles le jour où il y aura une défense et que l'équipe adverse va gagner ça va être l'euphorie totale quoi donc non moi je suis carrément pour je trouve que ça donne encore plus d'importance justement à ces titres là le Fayot petite astuce que tu as bien je trouve ce qui est encore super c'est de garder deux titres en plus, parce que mmh. c'est ça qui donne plus de charisme que d'avoir converti les deux titres en un seul titre. C'est complètement... beaucoup plus impressionnant. Et là, tu dis, OK, eux, ils sont badass. Eux, ils percent. Eux, il ne faut pas les faire chier. Et ça, c'est bien. Yes. Jacques, ça te laisse sans voix tout ça. Hein bah, en fait, euh, je vais te mettre... Bah, après, c'est mon avis, mais en fait, je ne suis pas trop d'accord. <laughs> en fait, euh, je trouve que, voilà, règne, ce n'est pas grave, ce n'est pas, pas un souci, parce qu'il voilà, est buildé en fait, depuis des années. Euh, comme là, un mec invaincu, vraiment, euh, pas de concurrence, quoi. Euh, les Ouzo, on voit qu'ils voilà, ont un peu les titres, en fait, pour euh, donner du prestige, en fait, aux à la de en fait dans mon groupe et euh, ils ont pas enfin, si les perdent en fait c'est pas choquant par rapport à un Reigns par exemple donc je pense que si jamais ils ont qu'une ceinture par équipe c'est pas très grave, tant qu'ils ont une ceinture c'est pas très grave, là de l'autre côté Rho du coup, bah, enfin, on les voit plus à Smackdown quand même caro qu et je trouve que du coup à bah, tu as des équipes en fait qui peuvent exploser et ils le font pas, enfin ils peuvent pas du coup euh, profiter de ces occasions là des matchs par équipe etc par... pour le titre, par exemple là il y a euh... Comment dire Otis et euh, Chad Gable euh, en ce moment euh, ils font une rivalité avec Ma Riddle et puis Elias euh, ben voilà il ils s'affrontent mais il y a pas d'enjeu en fait c'est quand même bien triste à côté tu as la botte t'as SmackDown as un New Day ouzo euh, qui s'affrontent donc euh, je trouve que Arrow du coup ça la peine parce que du coup comme ils sont moins présents Arrow bah t'as plus rien à Arrow comment tu les as vus Arrow là sur rôle là Ouais, mais en fait, ils font rien. Enfin, t'as pas, pas, pas de gros challenger, en fait. Enfin, ouais, il manque un truc, en fait. Je trouve que euh, c'est mieux que ces titres-là se séparent. Je trouve que oh, Romain ce c'est pas dérangeant parce que, voilà, tu sais bien qu'il va les garder à un moment. Là, tu sais que, tu sais que les Ouzo, ils l'ont eu après les titres. Et c'est vraiment pour donner cette image, en fait, de, voilà, de groupe puissant qui récupère tout. Qui et je pense que les Ouzo, s'ils ont juste un titre, c'est pas très grave. Et ça te pourrait aussi donner, du coup, de nouvelles opportunités à Aro, par exemple. Là où je vais m'opposer à, à, à ça, c'est que justement, les, les Ouzo, c'est on va dire les, 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 les hommes, euh, comment on dit, les, euh, bras du, les, bras droits, les bras droits de Roman Reigns. Et du moment où ils vont perdre une once de crédibilité, c'est-à-dire qu'ils vont perdre les titres ou un des titres, c'est là où tu vas dire la Bloodline, elle est fébrile, et là où Roman Reigns, il peut perdre. Et du moment où tu lui arraches, tu leur arraches le moindre truc. C'est là où tu vas dire, ok, là ça commence, ils commencent à perdre leur crédibilité. Et c'est là où on va dire, et ça va arriver un jour. Hein, et c'est là où on va dire la Roman Reigns, il va pouvoir perdre. Mais justement, je pense que ce n'est pas le moment de l'enlever, parce que c'est à ce moment où on va commencer à enlever les titres qu va, que la bloodline elle aura plus l'importance qu'elle a aujourd'hui. Oui, complètement d'accord. Et bien bien sûr, je suis d'accord c'est au détriment d'autres équipes. Parce que du coup, ben bien sûr, tu as d'autres équipes qui aimeraient bien pouvoir se challenger pour des, pour des titres. Mais bon... Il faut faire des choix. Mmh. Très bien. Euh, on va regarder le résultat du sondage. Hein. Je lis le chat en même temps, les amis. Euh, Mickaël Hilo qui nous dit que c'est nul. Hein. Clairement, faut les séparer. Euh, on a euh, Albion qui nous dit que c'est cool. Au contraire, on a deux équipes de futurs Hall Famers qui s'affrontent. Euh, et Sushi euh, qui nous dit « J'aimerais bien que les titres par équipe changent de main ». Donc voilà, c'est un peu mitigé. On va regarder euh, du côté du sondage. Je vous l'affiche dans un instant. New Day contre les Ouzo, c'est ce que vous en avez marre de la rivalité. On est à, oui, à 46%, non 53%. Euh, voilà, c'est encore en, en train de changer, vous hein, voyez euh, sous vos yeux. Les gens sont en train de voter, mais en tout cas, c'est très partagé. On voit que, euh, ça, on, voilà, on est à 50-50. On va conclure euh, là-dessus d'ailleurs, sur ce segment. Et, et je vais vous euh, présenter le dernier euh, point évoqué dans la preview de SmackDown. Donc il y aura évidemment d'autres segments euh, à SmackDown de demain, mais c'est les seuls points sur lesquels la WWE a communiqué. Euh, on aura un dernier match entre Shinsuke, Shinsuke Nakamura pardon, et euh, je vous affiche le, le match Shinsuke Nakamura contre Legado Del Fantasma, le membre de Legado Del Fantasma, Santos Escobar. Euh, je voudrais votre, ami, votre, ami, votre avis, surtout les chroniqueurs sur, euh, sur ce match. On en a parlé rapidement tout à l'heure, Shinsuke Nakamura, mais surtout de ce clan euh, qui a été euh, fraîchement formé. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée Est-ce que vous pensez que ce clan peut aller vers les sommets euh, top, flop Voilà, je vois que les, les, les bons élèves, hein, Flavien et, et Jacques, euh, ont déjà sorti leur pancarte. Les autres, vous pouvez également euh, la sortir top ou flop selon vous. Ce, ce clan, on va parler du clan, hein. euh, Legado del Fantasma. Euh, moi, je l'ai voté, mais pour en fait, le match. Après, en lui-même, le clan, je le trouve génial. Pour moi, justement, c'est un clan, je trouve, qui a, qui a du potentiel. Franchement, ils sont tous jeunes dedans. Ils ont vraiment du potentiel. Imaginons par la suite Andrade les rejoignent, parce que là, en ce moment, la ça ça se passe pas trop bien. Je pense Que ça peut être du, du star power, et je pense que par la suite ça peut vraiment donner de bons trucs, même contre la line. Hein, ça peut être sympa par la suite à faire. Donc, euh, alors, franchement, je kiffe l'idée. Zayn vega en manager, elle est excellente. Euh, franchement, je kiffe l'idée. Par contre, contre Shinsuke Nakamura, pff, je suis pas un, un gros fan de Nakamura. Hein, franchement, sur le <laughs> ring, pour moi, je trouve est fini. clairement, ça, <laughs> ça se voit un petit peu. Hein. <laughs> Mais voilà. Mais en tout cas, le, le clan, je l'aime bien, mais par contre, ce match-là, en vrai, Nakamura, Nakamura en fait, ouais, Osef un peu. Vas-y Victor, qui lui, visiblement, n'est absolument pas d'accord avec, euh, avec Jacques. Bah moi je vais. Ouais, je suis dans je suis un avis contraire de Jacques parce que le match, il va me plaire. Et en plus, ça nous donne un avant-goût de la Coupe du Monde. Ça, c'est magnifique. Le Japon contre le Mexique. Donc, déjà, hop, on adore la Coupe du Monde. Et ensuite, euh, bon, Zelina Vega, c'est vrai qu'elle euh, est, elle est très bien au manager. Et je te rejoins sur Andrade. J'aimerais bien que le petit Andrade euh, pointe le bout de son nez et, et s'ajoute au clan. Peut-être pour la compétition, hein peut-être le World Cup, peut-être qu'il qu s'arrête dedans, je sais pas, peut-être surprise. Andrade, euh, Gunter, Hein? <laughs> Faut pas rêver, les gars, en dernier, je pense. Ouais, pas maintenant, je pense. Hugo, qui, lui, visiblement, n'est pas d'accord avec Victor. Ton avis sur le clan Non, je trouve que cette équipe, les gars de le Fantasma, je trouve que c'est ce, bien d'avoir apporté ça dans le main roster. Ça va être dans la continuité de ce qu'ils faisait du côté de NXT. Et ça a toujours été agréable. Enfin, moi, j'ai toujours aimé voir ça. Donc, euh, non, je pense que pour le coup. Euh, c'est Bien d'avoir ce clan là en plus, on sait que euh, avec iTro, euh, c'est pas forcément l'amour euh, euh, fou, donc euh, tout ça mélangé, je pense qu'on peut avoir quelque chose de, de vraiment bien. Et comme le disait euh, un peu tout le monde, euh, Céline Vega c'est fantastique, c'est fantastique. Un peu, moi, ce que je trouve juste décevant en fait dans ces transitions de NXT à Min c'est qu'un. J'ai l'impression qu'on jette un petit peu comme des malpropres les, les managers, c'est à dire que Zenina Vega n'était pas du tout NXT avec euh, les galos et le fantasma, et elle, est, elle y est du côté de, 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 de du main Rooster. C'était un peu pareil à l'époque avec The Author of Pain, et euh, c'était Paul. Euh, J'ai pu plus... oh, et le ring, et le ring, ouais, ouais. ok. Ouais. Voilà, et euh, pareil du jour au lendemain, vas-y hop, toi tu dégages, tu sautes, ou que ouais, c'est dommage, mais bon, après Zenina Vega fait très bien le taf et. Euh... Et non, j'aime beaucoup ce, cette équipe. C'est top. Ça rapporte de la fraîcheur à la division par équipe qui commence à tourner en rond. Louis, visiblement, tu es du même avis que, que Hugo Écoute, moi, je les connais pas trop, mais en voyant leur tête, ils ont l'air sympathiques. Donc... <laughs> ouais, non, on est d'accord qu'il sort. Hein. Euh, Vas-y, Flavien, Flavien sauve-nous là, parce que. <laughs> bon, euh... Oula, là, c'est bon. Euh, ouais, non, franchement, euh, bah, moi, j'aime bien cette équipe. Euh, j'aime surtout Santos Escobar. Il a un talent exceptionnel. On a pu voir du côté de Nexti. Euh, après, je, re je rejoins clairement ce que disait euh, euh, Louis sur le fait que, euh, pas Louis, euh, excuse-moi, Hugo, euh, sur le fait que, bah, en fait, ouais, la manager, euh, c'était Electra Lopez, et ils l'ont jarté euh, du jour au lendemain, comme ça, quand ils sont arrivés dans le main roster. Donc, ça, je trouve ça assez dommage. Après, Zelina, bon, comme, a, comme tout le monde a pu dire, est exceptionnel. Hein. Mais euh, non, moi, j'aime bien cette, cette équipe. Euh, après, j'attends de voir un peu ce que ça va donner euh, les deux autres. Excusez-moi, je me attaquer. Euh, les deux autres euh, de l'équipe euh, de Legado quoi. mais euh, franchement, ouais, non, ça, ça peut être sympa, quoi. ça peut amener un peu de fraîcheur et puis, euh, puis un petit truc sympa, quoi. ouais. Alors, je suis d'accord avec vous sur le principe, hein, je pense que ça peut amener un peu de fraîcheur et tout, mais je sais pas pourquoi, hein, c'est peut-être un mauvais pressentiment, mais euh, je le sens pas, moi, ce clan. Je, autant on peut avoir des clans dominants comme on a à Raw avec euh, Zio aussi, là, euh, plus euh, le Judge Day par exemple, là, c'est des clans qui ont vraiment su s'installer, etc. J'arrive pas à voir ce clan à la même hauteur. Je sais <coughs> vous voyez ce que je veux dire. Je, je, ouais. je, je les vois pas atteindre ce niveau quoi. Mais ils sont pas assez crédibles en fait, ils... je trouve. Ouais, il, il ils manque pas... un truc. Hein. Oui. En fait, fait... Ils, ont pas la ouais. même... ils ont pas la même, euh, la même euh, on va dire, importance déjà de base ouais, à vrai. la fédération que ZioC ou le, les membres du Jugement de Day. C'est incomparable. Ils n'ont pas la même carrière déjà. Hein, donc, euh... Non, ouais, c'est incomparable. Voilà, et puis je pense que Santos Escobar, lui, si on le mettait en solo par exemple, plus, ce serait une star de ouf vraiment mmh. mais euh, à côté euh, Raul Mendoza je crois et euh, là tu baisse son nom mais Eux en fait je, je les je sais pas je, je, les, je les aime bien mais je les sens pas trop quoi il a pas de ils ont pas de, de charisme ou des choses comme ça qui leur permettrait d'avoir un titre mondial pas de bagou toi derrière De quoi Pas de bagou quoi derrière. Ouais voilà quoi. Il <laughs> y a pas de bagou. Voilà, il y, y, y a pas de bagou. Mmh. Je pense que c'est une bonne manière de conclure euh, ce ce point de Smalland. Il y a pas de bagou. Y a pas ce Et vous les abonnés, est-ce que vous avez du bagou Est-ce que vous pouvez voter sur le sondage qui vient d'apparaître pour avoir votre avis à vous aussi Que pensez-vous du clan de Legado del Fantasma Est-ce un top Est-ce un flop Je vous laisse quelques secondes pour voter. L'occasion pour moi de remercier en cette fin de live euh, le détenteur de la sub in the bank, Fabish. Euh, on est donc à 35 subs, hein, c'est exceptionnel. Et également le détenteur de la ceinture, de, de bits, Fabiche, bravo à toi hein, pour, pour cette fin de live. Résultat du sondage dès maintenant, qu'en pense le chat Eh bien, on est à encore une fois presque une égalité, hein. on est à, à 43% pour le top, 56% pour le flop, c'est quand même le flop qui l'emporte, donc globalement, les gens ne sont pas à fond derrière ce clan. Bah, personnellement, ça m'étonne pas trop. Eh ben écoutez les amis, euh, c'est passé vite, on a passé un très bon moment tous ensemble, j'ai l'impression, hein. enfin je pense qu'on est tous d'accord ouais. pour le dire. Excellent. Et voilà, c'est euh, vraiment le retour du podcast. Euh, J'espère que vous aussi hein, les abonnés, vous avez passé un très très bon moment. Je vous remercie encore une fois, je remercie euh, Fabiche et je vais remercier évidemment tous mes fidèles chroniqueurs, voilà moi aussi je le fais avec vous. Merci plus à plus tous. Eh, c'est magnifique. Vous coup. êtes vraiment magnifique. Coup. Franchement, j'espère que ce nouveau format va vous plaire, les amis. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur le chat hein, avant de, de quitter le, le chat ce soir. Vos retours sur les réseaux sociaux également. Si vous avez des petites idées, des petites améliorations de nous suggérer. Voilà, on va essayer de, 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 de vous écouter et de faire en sorte que, que, que le, le stream s'améliore de semaine en semaine. En attendant, une chose est sûre, c'est que le podcast... C'est désormais de retour chaque jeudi en direct à 21h ici même sur Twitch. Mais on salue également la team rediffusion puisque ce podcast sera disponible en replay sur YouTube quelques heures après sa diffusion en direct. C'est que sur la WWE, non, ce ne sera pas forcément que la WWE. Alors on ne va pas se mentir, hein. les membres de l'équipe ici regardent principalement la WWE. Mais voilà, ça peut arriver qu'on ait des petits sujets sur la WWE ou sur d'autres fédérations quand il y a des grosses news qui tombent. On peut en parler, voilà. On n'exclut pas ça à l'avenir. Inviter à mal, ça aussi, ce sont des choses que nous voulons faire à l'avenir. C'est inviter des gens, voilà, l'invité de la semaine, etc. On a envie de, euh, voilà, que ce soit l'émission hebdomadaire euh, qui revient sur l'actualité, avec qui euh, on, on, on échange sur le catch, enfin euh, voilà, où on, on invite des invités chaque semaine, on invite des invités concept d'un invité. <laughs> euh, mais voilà, de savoir dire que on a envie d'ouvrir l'émission à tout le monde et de, 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 de la rendre divertissante chaque semaine. Voilà. Merci Axel, vous avez assuré. bah Merci à toi Fabich hein, pour ta générosité et pour avoir été euh, présent euh, ce soir. C'est quand les résultats de l'AEW sur le Bet Et ben bah, tu vois, Sushi, j'ai tellement été occupé aujourd'hui avec la préparation de ce podcast que j'ai même pas eu le temps de saisir les résultats sur le Bet. Mais je vais le faire juste après ce live, c'est promis. Merci encore à euh, nos chroniqueurs Louis, le mot de la fin. Un, mot, un seul mot, euh, Bagou. Et, et, très bon choix. Jacques. Oh. Bagou. Oh yeah. Victor. Bagou. Oh yeah. Flavien. Bagou. C'est un 10 sur 10. <laughs> C'est un 10 sur 10. Hugo. Euh. Bah, put catch. Oh, c'est beau. Eh, hey, franchement. <laughs> et moi, mon mot de la fin, les amis, euh, ce sera surtout, 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 soyez toujours très, très fiers d'être fans de catch. Et j'ai très honnêtement hâte d'être à la semaine prochaine pour vous retrouver en direct. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine, les amis. Soyez toujours très, très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde. Bisous. Salut. Bonne soirée. <music> get away from the drinks and chatter